Bonsoir. Ça va? Bonsoir, comment ça va? Moi ça va, j'essaie de me remettre lentement de la soirée d'hier. Mais le driver là, déjà au début driver ça a été assez intense au niveau du mental. Et ensuite le Roi Lion là, oh, ça a tapé. En fait, il y a eu une avalanche hier soir, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu driver. Déjà ça a été la merde parce que je suis nul à driver. Ensuite, il y a eu le Roi Lion qui m'a chié dessus, mec, les save states. Et il y a eu la déconnexion à la fin du Roi Lion. Ça a été vraiment genre... C'était le 11 septembre de Russian. Tu vois ce que je veux dire? Le petit Nicolas, il a eu son 11 septembre, quoi. Le petit Nicolas. Mais bon, ça va. Oh, ce soir, on se reconcentre, on se recentre. On repart sur des bases, sur des choses que l'on maîtrise. Notamment Hotline Miami, notamment les films de John Woo, notamment Cho Yun Fat, Stranglehold, Hardboiled, Jackie Chan dans le Bronx. Non, je connais pas d'autres. J'ai du mal avec les noms des films. Mais voilà, donc ce qu'on va faire ce soir, c'est Hong Kong Massacre. Je prendrai la première partie de la soirée. Ce qu'il y a de prendre dans la deuxième, il fera du Slade Aspire, comme j'ai mis sur le ticker du stream. Donc on va faire Hong Kong Massacre. Et Hong Kong Massacre, qu'est-ce que c'est? C'est Hotline Miami plus Stranglehold. Voilà. C'est tout ce que... Limite, je pourrais finir le stream là et vous auriez compris, quoi, tu vois. Mais bon, je vais quand même vous montrer le jeu, comment il tourne, parce que c'est quand même plutôt une tuerie. Je l'ai testé 5 minutes juste sur la première map et c'était vraiment sympathique. Je sais pas combien de temps j'en ferai, mais c'est vraiment sympathique. Et ensuite, ouais, Scan prendra sur Slay the Spire. Je sais pas quand, je sais pas à quelle heure, mais quand on jugera que ce sera bon. Et oui, Scan qui dit ah bon dans le chat. Ah bon? Mais m'a pas dit. Qui dit? Aussi, petite précision, ce stream sera enregistré en 9000 kbps, c'est le bitrate maximum qu'on peut avoir en 1080p sur YouTube, je crois. Donc pour un upload en 720p, je pense que la vidéo sera de très très bonne qualité, mais je sais pas ce que ça va donner au niveau de mon CPU. Donc on verra. Si jamais ça lag ou ça rame ou ça quoi que ce soit, et ben tant pis. Et sinon ça fera le très très bel rediff. Donc voilà, si vous êtes sur YouTube et que vous voyez cette vidéo, la rediff est belle. Ok. Voilà. Du coup, hop, on va faire un petit fondu comme on sait les faire, je sais pas les faire. Et on va se lancer dans The Hong Kong Massacre. Alors, il y a un truc avec The Hong Kong Massacre, c'est que le jeu n'est pas fini et il est un peu niqué de la tête. Niqué de la tête, à quel point? Eh ben, voyons tout de suite. On va dans les options. Game and Sound. Musique Volume. Il est pété à ce point-là. Après, voilà, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs qui font que, mais c'est pas non plus grand-chose. Et on a les options, les contrôles qu'on ne peut pas changer. Voilà. Et c'est marqué Back R, là. Ah bah, ça marche maintenant. Putain, avant, ça marchait pas. T'avais beau appuyer sur R, ça marchait pas. Bon, ils ont fixé 3 trucs. Il y a eu, je crois, une mise à jour de 85 MO, là, qui est tombée. Twitch s'est limité à 6000 mégabits alors que je pourrais envoyer tellement plus. Et bah, tu sais que moi je suis littéralement là limité par ma propre connexion. Je pourrais envoyer du bois vénère, hein, mais je peux pas plus. Je peux vraiment pas plus. On sent qu'il a été bien produit. Mais le problème c'est que le jeu est vraiment... Il part avec une très bonne intention. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il l'enchippe vraiment beaucoup trop tôt. Et c'est vraiment, vraiment un problème, quoi. Mais le jeu a énormément d'ambiance. Donc hop, on va partir sur New Game. Ça va au niveau du son, ça devrait être pas mal là. Allez, new game, let's go. Let's go, friend. Slow motion. Ni hao. Chut, attends-toi. Pi, pi, pi. Ah, des dacs, donc c'était ça la cinématique d'intro que j'ai skip la dernière fois. Mais c'est de la merde. Ah non, il y a autre chose. Ah, 4 days earlier. Donc ça se passe en 92. Le 10 juin 92, j'avais un mois et deux jours. C'est pas mal. Welcome back. I have been waiting for you. Still drinking old fashioned? Here you go, for old time's sakes.
So the time has finally come. And so have I. Got all the information that you wanted about the two-headed dragon. I think you should start with returning to the tea house. Donc two-headed dragon, je sais pas, mais tout à l'heure, c'est pas Funeral qui a fait une référence à three-headed dragon ou je sais pas quoi. Donc voilà, en gros, le bartender, j'ai l'impression que c'est le gars qui nous file nos missions. Itadakimasu, c'est pas c'est pas japonais, c'est chinois. Ah, encore un petit coup. Bah... What? Attends. Pourquoi j'entends rien? Nani? Attends, vous entendez quelque chose, vous, là? Allô? Ah non, c'est extrêmement fort. D'accord, c'est extrêmement fort. Ok. Non, parce que, en fait, mon compteur sur OBS est en train de me dire « Waouh, le son, il est super fort !» Mais moi, j'entends rien, en fait, quasiment. The Hong Kong Massacre. Dis donc, il a l'air très fier de lui, le jeu, en fait. Putain, mais... Pourquoi il dit que c'est aussi fort? Je comprends pas, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on s'en fout. Vous me direz, de toute façon, si jamais un problème de son, vous gueulez, ok? Et on verra ce qu'on fait. Upgrades. Voilà. Donc, on peut choisir ses flingues au début. Et les upgrades, voilà. Donc, on a quoi pour l'instant? Shotgun, pistol, ensuite on a shotgun, SMG et rifle. Bon, bah écoute, c'est plus ou moins straightforward, comme on dit. Castlevania kicks in. Ok, let's go. Donc... Hotline Miami. Sauf que quand je reste appuyé sur espace, on a un slow motion qui recharge très facilement. Et quand j'appuie sur clic droit, voilà. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt clair. Let's go. Voilà. Franchement. Non. Oh. J'ai niqué les trois. Ah. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Oh, chaud. Alors, attends, il y a quoi? Il y a des challenges, là. C'est quoi? Under time limit, donc sous 30 secondes, sans slow motion, et en niquant que les ennemis. Tu crois qu'on peut essayer? Vas-y, on réessaye vite fait. On réessaye vite fait. J'ai loupé de taper juste les ennemis. Ah, je me suis fait buter. Ok, on est super fragile. On est super fragile, très bien. Oh la vache, le bordel! Ah, attention! Oh, wow! Ok, on voit les balles sont assez lentes. Hop, ah, trickshot! Oh, 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 oh! Oh la vache! C'est beaucoup trop stylé! Ce qu'il faut qu'ils implémentent dans le jeu, ce serait un genre de replay, mais où t'aurais caméra à l'épaule, tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que là, le jeu il est clairement rendu en 3D, avec des assets qui ont l'air pas dégueu en plus. Et tu fais un replay à la fin du niveau avec une caméra vraiment au sol, tu vois, pour montrer les actions et tout. Ce serait... J'espère qu'ils le feront, mais apparemment, ils sont partis sur pas mal d'ajouts et tout, donc ça va être cool. Vraiment, ça va être cool. Vivement que My Name is Pedro sorte. Ouais, carrément. Et je vous le ferai aussi, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, vous avez vu, c'était marqué, quand on dive, les balles ne peuvent pas nous toucher. Donc c'est littéralement des iframes gratos, quoi. Encore? Wei Shen, motherfucker. Ah, ah. Donc on a ça se précise. Wei Shen, motherfucker. Alors pour ceux qui n'ont pas testé et qui connaissent pas le jeu Stranglehold, je vous le conseille absolument. C'est le jeu vient de se mettre en full screen. Le jeu, je sais pas si vous voyez là, mais ma souris est bloquée là parce que le jeu vient de se foutre en full screen tout seul et je peux pas. Nani, attends. Est-ce que je peux changer les options? Ouais. Ah, ok, ça scroll super rapidement, les gars. Attention, attention, les gars. Attention, les mecs. Ah, faut pas louper, hein. Allez, 1366, s'il te plaît, 1366. J'espère que je vais pouvoir aller jusque là, au moins. Yes. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, les gars, on est bien. Ah. On est bien, c'est bon, c'est bon. C'est bon, le stream a pas pété? Ok, le stream a pas pété. Allez, on continue. Deuxième niveau. Death comes knocking at the door. Waste Chow's gang apartment. Fuchong Estate. Ok. J'adore le... tu sais ce que ça me rappelle? Cette espèce de direction graphique, ça me rappelle...
Ruiner, qui est un peu dans le même genre. Alors, under time limit, c'est 40 secondes. On va pas faire ça, les challenges. J'ai envie qu'on prenne un petit peu notre temps. J'ai envie qu'on prenne notre temps à massacrer des mecs. J'espère qu'ils vont régler le problème de fenêtrer, par contre, parce que ça va être un peu compliqué si ça se remet à chaque fois. Au pire, c'est pas grave, hein, mais bon, ça fait quand même chier, quoi. Ok. Knock, knock. Ouf, oh. On va arroser vite fait, là. On sait jamais, voilà. Ok, impeccable. Donc, en gros, on peut même pas recharger dans le jeu. Le jeu s'en bat les couilles. Ouh. Ruiner 2049. Impeccable. Et du coup, on peut pas recharger, il faut juste ramasser des armes sur le sol. C'est le seul truc qu'on peut faire. Oh, t'enculé, il a essayé de me niquer, hein. Ha. Oh, 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 fusil de chasse. Oh, 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 oh. Oh, oh, la vache. Ok, 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 ok. Ouais, ouais, le jeu est super réactif. Le jeu est vraiment super vénère. Impeccable. Par contre, on peut pas aller un peu plus vite. C'est dommage qu'on ait pas genre de touche de sprint ou un truc comme ça. Donc ouais, le jeu est super réactif. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de touche de relance rapide. Tu vois, genre appuyer sur R comme dans Hotline Miami. Parce que c'est clairement un die and retry, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Et ils auraient dû... Oh. Ok. Attends, je vais prendre son SMG à lui, ça va être bien ça. Ça va être fort bien ça. Ils sont où là? Il y en a 3 là. Ouh. Slow motion. Bam, 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 bam. Ok. Impeccable, prends ton la K47 du mec. Oh. Ouh. Oh la vache. Ok, c'est toujours bon. C'est toujours bon au niveau du son pour vous. Attends, je vais augmenter un peu de mon côté moi. Ah ouais, c'est le bordel. Ça va, ça reste. Vous pouvez suivre quand même, ça reste compréhensible. S'il te plaît, ne mets pas en full screen encore. Je t'en supplie. C'est violent. Ombrageur, ombrageur qui. C'est tellement violent, ça l'a fait devenir sudiste. Putain, c'est violent. First interrogation with the suspect regarding the events that took place between June 10th and June 13th. Putain, tu vois, regarde, ils ont quand même. Ils ont bien des caméras au sol, hein, donc il y a bien des assets qui ont été modélisés et tout. Ce serait sympa d'avoir des replays au sol. Xiu Wanglo, ok. Ok. Ouais, mais attends, parce que maintenant que t'en parles, je crois que je m'en branle. Merci. Ok. Oh putain, il me l'a remis en... Attends, parce que je crois qu'il y a un moyen de le faire plus vite. Genre, tu fais ça, blip, et tu fais ça, et tu scrolles, et blip. Voilà. Ça va être chiant, je vais devoir le faire à chaque fois, mais tant que le jeu est pas fixe, voilà, y a pas le champ. Non, en fait, c'est même pas qu'il se fout en full screen, c'est qu'il change la résolution. C'est-à-dire que je suis en 768p là, et il me fout en 1080p. Mais même pas en full screen en fait, je reste en fenêtré, mais en 1080p, c'est insupportable. Ok. 4 days earlier, car trouble, waste Chow's car shop, Shakap May. Je sais pas ce qui est un nom et ce qui est une expression colloquiale, comme on dit. Effectivement, c'est un gros souci, bah j'espère qu'ils vont en effet... Donc en fait, ça... Ah, on achète! Ok, tu dois acheter à chaque fois l'arme, en fait. Et tu dois acheter la nouvelle arme selon les points que t'as engrangés. Ok, mais je sais pas si, par exemple, si j'achète ça, si ça l'unlock pour toujours. Si, je pense que ouais. Je pense que ouais. Je peux quand même l'upgrade. Ok, clip size, non. 10 étoiles, fire rate. Je peux? Eh ben, allez. Un SMG bien vénère, c'est parti. Alors... Y'a quoi, très bien. On dirait un niveau du jeu The Punisher. Toi, ferme ta gueule. Ils adorent les niveaux dans les casses. Les mecs qui font des films dans le genre, des films de criminels, ça se passe en Chine et tout, ils adorent les niveaux dans les casses. Et ça, je le sais. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'adore ça. Ouf. Oh, 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 oh. Ouh. Oh la vache. Ok. Ouh, d'accord, ok, ok, d'accord. J'espère qu'il n'y aura pas le problème, par contre, de Hotline Miami. Dans le sens où j'espère que les ennemis te voient pas, genre, plus loin que toi, tu ne les vois. Donne-moi ça, là. Impeccable.
Et venez les gars. Oh merde! Ah là là, je pensais que j'étais caché. Je pensais que c'était un van et que j'étais planqué derrière en fait. Ok. D'accord, c'est pas grave. Il va falloir qu'on invente notre petite routine en fait. Hop, toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. Oh là là! D'accord, ok, je pensais l'avoir eu l'autre. C'est pas grave. Problème du genre. Problème du genre, tu vas encore niquer un mur. Non, non, ça, là ça va. Là ça va le... Je sais pas, je pense que ça va être moins frustrant que... Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression que ça va être moins frustrant qu'Hotline Miami. Ok. J'ai l'impression qu'il change de place un peu. Ou alors peut-être que je suis fou. Ah mais c'est un fusil de chasse en fait. Ow. Merde. Je crois que c'était un fusil d'assaut. Est-ce que c'est random? J'ai l'impression que les armes que les mecs lâchent sont random, non? Peut-être pas. Oh la vache. Oh ce que j'ai mangé. Par contre, c'est con qu'il y a un genre de filtre blur aussi sur la mort du héros à la fin. Ce serait marrant. Ce serait marrant qu'on le voit vraiment. Même à la fin de la map aussi, ce serait marrant que le final kill il soit pas flouté comme ça. Ok, ça donne un style, mais c'est quand même marrant le gore. Ah, c'est lui qui a la K47. Ok, d'accord, je vois. Des fois, je vois les mecs qui se retournent Mac 2, je suis pas rassuré. T'inquiète. Tu sais quoi, mec? C'est tranquille. Ah, merde! J'aurais dû dodge. C'est ma faute. Ça va être le stream du tryhard un petit peu. Oh! On peut. Ouh là, ça c'est... What? Je suis pas sûr que ce soit normal. Je pense qu'ils ont... Ouais, je pense qu'ils ont merdé les collisions de leur truc. Mais est-ce que du coup... Non, c'est super chelou. C'est vachement étrange ce qui se passe. Oh là là, ok d'accord. Donc il y a quand même... entre deux dodges, il y a un moment où t'es pas invincible. Forcément. Les frames d'invincibilité sont pas non plus complètement cheatées. Enfin, attention à ça. Ok. C'est rien, ça, c'est le temps de devenir pro. Hein. Écoute, faut laisser autant le temps de faire son œuvre, comme disait Didier Barbelivien. Tu sais qu'à chaque fois que je fais cette blague, je sais pas comment prononcer Barbelivien. Ok, impeccable. Mais elle fait peur, son cadavre. Ah, le recul qui... Oh, wow. Ok. Oh l'enculé. Non. C'est pas grave, je l'ai. Barbelivien. Tu peux ralentir le temps encore. Si je peux, mais je sais pas, en fait je trouve pas ça super utile. C'est bizarre, non? Je sais pas, enfin. Ça fait partie du gameplay, mais je sais pas, je galère plus quand le temps est ralenti en fait. J'ai l'impression que c'est plus un bonus pour les ennemis que pour moi. Ok, let's go. Un truc que j'espère aussi, c'est que y ait pas mal d'armes. Impeccable. Hop. Ok. Ouh. Ok, impeccable. Non, c'est bon. Oh merde. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout là. Ça se prononce Barbe Noire, c'est un Livien muet. De quoi? Oh là là. De quoi? Nani? Ouais, mais t'es un Saiyan aussi. Bah, je crois. Hein. Je crois que c'est mon taux de midi-chlorien en fait qui est assez. Oh oh! Ouh. Ça va, ça se suit facilement quand même. Parce que du coup moi je dois un peu me concentrer sur où sont les ennemis et tout. Mais impeccable. Ouais. Ça se suit. Ok, c'est cool. Ça se regarde. Impeccable. Salut. Oh, sans panique. T'as vu le mec sans panique? Tout a pété autour de lui. Il fait bon. Oh, là. J'aime bien être un criminel chinois. Ouh là. Yes. Tu vois, ça c'est dommage. C'est dommage que ce soit flouté ça et qu'on voit le putain de curseur là. Y a quand même des trucs à changer. Hein. Peut-être falloir que je leur soumette un comment on appelle ça? Un patch, tu sais, une patch list, tu vois. Attends, je bois un petit peu. Et les jolis effets pyrotechniques, c'est reposant. Mais du coup, là pour le stream, je pense que ça doit être un petit peu pixelisé quand ça pète un peu. Mais sur YouTube, ça sera comme ça. Comme ça. Ça comme. Oh putain, ça va encore faire chier avec la résolution. Ouais, va falloir que je speedrun à chaque fois en fait les options. Tac, blip, tac, hop, ici, bim. Voilà. C'est chiant, hein, mais bon. C'est franchement, je suis d'accord, le jeu il a été fait avec du cœur et tout, mais à un moment il faut quand même que tu puisses
que tu fasses un jeu fini, quoi. Entre ça et le fait que tu puisses pas remapper les touches, ça casse quand même pas mal les couilles, hein. Franchement. C'est sûrement blurry parce que ça doit être dégueulasse. Alors, j'ai trois étoiles, là. Y a pas d'autre arme. Ouais, j'ai l'impression qu'on va continuer avec le SMG, non? Est-ce qu'on peut... Ok, duel, c'est 10. Ok. On a un goal. Unlimited ammo. Ah, merde. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Chut. C'est vraiment ce qu'il est habillé, d'ailleurs, exactement comme Tequila dans Stranglehold. Je pense que... Ouh. J'espère que ça foire pas ta capture. Tu devrais jeter un oeil. T'inquiète pas, l'output OBS... Il est tel que je le vois, donc il va y avoir pas de problème. Normalement, ça devrait pas poser de problème, le changement de résolution comme ça. OBS est assez agréable avec ça, pour le coup. Ouh, hop là, attends, on va se calmer. T'as beaucoup de balles, enculé. Il me reste 8 balles. Elles sont pour toi. Elles sont toutes pour toi. C'est quoi qu'il avait, lui? Un fusil de chasse? Ok. Il reste qui, là? L'autre, il est en train de baliser à côté de sa bibliothèque. Il reste lui. Ça, je vais lui faire un toc-toc, regarde. Toc-toc! En fait, il a fait oui. Toc-toc! Ouais, bah! Il s'en bat les couilles de ce que je dis. Oh putain, dommage, je pensais que j'étais encore en dodge, en fait. Donc ça, le jeu est un peu confus, en fait, quand t'es en gunfight. Oh merde, il était où? C'est pas grave. Bringing out the dead. Ok. Qui c'est qui m'a niqué tout de suite? J'ai l'impression qu'il y a un troisième mec sur le toit où je suis fou. Attends, je vais baisser un petit peu. Le mec sur la bibliothèque, c'est Spider dans le visage. Spider. Il est où, de con, là? Bonsoir. Je me fais paniquer cette fois-ci. Ah, mais c'est parce que c'est une porte en fer, en fait. Ah, c'est bien foutu. Les portes en fer, tu peux les niquer. Oh, attends. Est-ce que je peux... Oh. Ça, c'est super cool, par contre, ce qui vient de se passer. Oh, merde, d'accord, on peut faire énormément de trucs. Il y a énormément de trucs qui peuvent se faire. Oh, la vache, ok. Ok, on recommence. Et tu vois, j'ai l'impression que des fois, ils changent de position, les mecs. Donc, on peut passer par là. Ah, chat. Impeccable. Je sais pas si je l'ai eu. C'est chaud. Ok. J'ai pas eu de bol. Oh, j'ai eu beaucoup de bol. Fais-moi ça, toi. Fusil de chasse, c'est bon. Ça me rappelle Polystory, ce qu'on a fait avec SCAD. J'adore ce truc, putain. Je suis tellement fan. Et il y a un autre jeu que je voulais vous montrer aussi, qui est pas vraiment dans le même genre, mais et que je vous montrerai une autre fois, qui s'appelle, il me semble, Maximum Action. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure sur le Discord, encore une fois. Maximum Action. Et c'est un jeu, en fait, c'est ça. C'est un jeu comme ça, sauf que c'est en low poly. C'est en FPS, et tu peux donc sauter, diver, ralentir le temps et tout. Et à la fin, pour le coup, t'as un replay comme si c'était un film. Et il est vraiment bien foutu. Pour l'instant, c'est early access, hein, limite en alpha. Mais il est vraiment super marrant. Je me demande si le fou, c'est pas un cache-misère. Et ouais, on pourrait se demander. Je sais pas pourquoi, j'étais parti sur une voie un petit peu à la Nelson Montfort. Et ça m'a plu, du coup, j'ai continué. On pourrait se le demander. Mais ça ne nous regarde pas. C'est tellement stylé, les actions en bullet time. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien voir le jeu. J'aimerais bien qu'ils foutent le replay à la fin. Mais en plus en real time, t'imagines? Ce serait stylé. Franchement, ce serait cool. Alors, Warehouse of the Dragon. Je suis sûr que les mecs qui ont fait le jeu, ils sont même pas chinois, t'sais. Le titre, c'est le type de jeu. Oui, avec Maximum Action, ouais, carrément. Et pour le coup, ouais, le jeu, il est en plus vénère.
Excuse-moi, je suis un bébé con. De quoi? Nani, the fuck? T'es sûr que ça va, toi? On va débloquer le rifle. Merci, Momo, mais... Ah, d'accord, parce que 4 mois, c'est... D'accord, j'ai compris. Non, ok. Parce que 4 mois, c'est un bébé con, en fait. C'est un bébé qui est pas fini, donc il est con. Je viens de comprendre le truc. Oui, Madness, il a compris avant moi. Ouais, ok, j'ai. C'était pas évident non plus, hein. Donc, rifle... Bah, écoute, on va prendre ça. Il est bien, le rifle, en plus. La musique est pas mal. Oh, la vache. Oh! Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Qu'est-ce que c'est que ces patacouèques? Hop, dans vos gueules. Ok, mange ta grosse race. File-moi ça. Ok, c'est un fusil à pompe que j'avais. C'est chiant en fait parce que je reconnais mal les armes que j'ai. Faut jeter un coup d'œil en bas de l'écran si tu veux. Mais dans un jeu comme ça, c'est limite un manic shooter. T'as pas le temps de regarder en bas. Ah! Ouh! Ouh! File-moi le Mac 10. Yes. Yes! Oh. Fusil de chasse encore. Oh! Oh non! Oh, c'est dommage! Oh, c'est trop dommage! L'autre, il a mangé. L'autre, il a mangé à travers la porte, là, j'ai bien aimé. Oh merde! J'y suis allé avec trop de confiance en moi, en fait. J'ai littéralement pris la confiance à un moment où j'aurais pas dû. Et ce qui est cool, c'est que, en fait, pendant que t'es en slow motion, ton curseur ralentit aussi, le curseur de ta souris. Tu vois? Les mouvements sont un petit peu plus... Ils sont un petit peu moins précis. Et du coup, ça donne vraiment une lourdeur au personnage que j'aime énormément. Ha! Oh! Ça fait tellement à toute épreuve, ah oui carrément, mais là pour le coup c'est vraiment fait exprès quoi. Vraiment fait exprès. Qui reste là? Il est là-bas là. Toc toc. Oh. Ouah ouah. Ouah. Oh. Oh, c'était chaud un peu là. Ok, j'ai les guns. Je peux passer là? Non, je peux passer là. Ok, très bien. Je peux passer là par contre. Ah. Je crois qu'ils m'ont vu en plus à travers l'espèce de... Oh. Oh. Yes! J'adore. Les roulades plus bullet time, ça fait John Wick. Mais en fait, pas tellement. John Wick, il est pas tellement comme ça. Ça fait plus Max Payne, mais... par contre, il faudrait vraiment qu'il fasse un jeu à la John Wick, genre marque et exécution, quoi. T'arrives, bip-bap, tac-tac, shkibidi-pap-pap. Limite, faire un rail shooter John Wick. Tu vois, un rail shooter John Wick, mais à la troisième personne avec du slow motion. Comme ça, tu peux bosser bien sur les animations du mec qui bosse son truc, tu vois, au milieu de la salle. Bap, 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 bap. Et ensuite, t'aurais un... Skibidi, pap, pap, exact, Tajin. Et ensuite, t'aurais un replay de truc, ce serait marrant. Mais c'est pas aussi rapide tout le temps. Oui, ouais, ça c'est clair. Ouais, conviction, c'est vrai qu'en plus, dans conviction, t'as que quelques balles, je crois, en plus. Enfin, il me semble qu'à la fin du jeu, t'as genre 3 éliminations, non? Ah non, c'est le chargeur entier. C'est le chargeur entier. Les rail shooters, ça fonctionne plus. Bah ouais, bah je sais. Bah c'est triste. Tu viens de me niquer mon délire, là, funérailles, je t'emmerde. The thing goes crrrra! Papa kakaka! Back already? One old fashioned coming up. You wanna know the secret of the old fashioned? Well, the secret is the brown sugar I use. He's made on the island of Ishigaki. My great grandfather got it from a Japanese prisoner during the war. He was there. During the battle of Nanjam Hua and Guangxi, that he invented the old fashioned you are drinking now. Legend says that it will give you the strength and the courage to defeat your enemies. So now you know a family secret. Enough of that now. I heard rumors that the two-headed dragon has taken over the Red Dragon restaurant at Tea Lone Street. Good fortune. Do not forget to upgrade your weapons as you're going to need it. Damn, friend. Shit. Ah putain de con de jeu, j'ai oublié qu'il y avait ça. Ça me nique vraiment toute mon appréciation du reste du jeu en fait.
Le fait qu'il les emmerde comme ça. Vous devez pas le voir. Ça doit pas vraiment influer sur le stream. Je pense que vous vous rendez même pas compte que ça change la résolution. Ok, let's go. Start the level. Yadar le con. Ok. Ok, le mec il arrive sur le chat. J'ai adoré le mec qui arrive sur le chat. Il défonce la porte. Pouf, Yadar le con. Et il s'en va. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est qui? Mais Kakir Biscuit, en plus ça me dit quelque chose, mais... Pourquoi? Désolé, à chaque fois que j'arrive ici, je dois le dire. D'accord, c'est la façon dont tu dis. D'accord, bah écoute, après, si c'est... Hey, si c'est dans ta famille ou un truc comme ça et qu'il y a un genre de délire, y a pas de problème, hein. Oula, ok. Ah! Oh, 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 oh! Remarque, on pourrait la faire à la John Wick. Faudrait que j'attrape un pistolet en fait. Ah, c'est bon, il est mort. Ok. En fait, faudrait que j'arrive comme ça et que je. Bap! Bap! Ok, loupé, beaucoup trop loupé. Wouh! Impeccable. Ouais, t'as même pas réagi lui. T'as même pas réagi toi. T'as laissé tes potes mourir. Oh, c'est dommage qu'il n'y a pas des gens dans les chiottes. Peux même pas ouvrir les chiottes? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de paniquer tout seul. Ah, c'était un piège! C'était un train connard! Oh! Ouh, ok, impeccable. File-moi ton SMG. Passe par là. Je sais pas ce qu'on fout là. Il est où le dernier? Oh! Ok, c'est pas un dernier du tout qui est en fait. Ok. Ha! Oh! Oh la vache! Oh le bordel! Oh le bordel! On peut passer là? Non, on peut pas passer là. Ok, très bien, y'a que dalle. Il reste qui là? Putain, mais elles sont grandes les maps en plus, c'est cool! Oh! Bonsoir! Ah, oh, je t'ai loupé! Ouh! Ah, oh, j'adore. Mec, ça me fait penser à la fois à John Wick, Max Payne, Stranglehold et The Raid. Je l'ai one try en plus celui-là, non? Est-ce que je l'ai pas one try celui-là? Bon, en fait, je suis venu un soir sur le Drunk Souls 3 et après, je suis plus revenu. Puis un jour, je reclique sur LMF et je vois Yadar et il m'a fait rire, mais vous êtes tous marrants. Ah, ça, c'est gentil. C'est agréable. Il t'y pose en mourant. Et tu sais que tous les Chinois font ça, hein. On appelle ça le Shang Chulang. Le Shang Chulang. Et tout le monde le fait, ouais. Et Jackie Chan l'a fait d'ailleurs quand il est mort l'année dernière. Et c'était vraiment bien fait. Il a vraiment bien. Le Shang Chulang, il a vraiment niqué, ouais. Et c'était vraiment pas mal. The Red, ça va finir à coup de latte. Ah, j'espère. À coup de fat, pardon. De coup de fat. Je prends cette position dès que je suis énervé. Clunk. Hey, non. T'as vu comment tu t'es garé, connard? Oh putain, il t'y pose. Casse-toi. Non mais attends, je vais pas faire cette mission là, non? Non, back. Voilà. The rat. Hey, what a shit. J'espère que c'est pas la fin du jeu. Mec, si c'est maintenant la fin du jeu là, si j'ai payé 15 balles pour un jeu de 30 minutes, je vais péter un plomb par contre. Hein. Non, non, à mon avis non, parce que ce serait vraiment bâtard. Alors comment ça se passe ici? Oh, oh. Ok, c'est un genre de petit duel. Oh, oh la vache! J'ai plus de munitions, c'est la merde. Ah mais c'est la merde du coup là. Comment je fais? Écoute, on va le suivre jusqu'au bout, on verra bien où ça nous mènera. Hein. Y'a pas une arme par terre, s'il vous plaît! Est-ce qu'il peut pas, genre, tirer sur son pote, là? Ouh! Ok, c'est pas grave. On recommence. Enfin, je ramasse les armes au fur et à mesure, parce que... Ok, pas à travers les bibliothèques. Oh la vache, quoi! Oh! Filme-moi ça. Impeccable. Pfff.
c'est incroyable que ce soit une des scènes de film les plus classes que j'ai vues, que ce soit dans un jeu vidéo quand même, non? Putain, j'ai encore plus de munitions. Merde, j'ai plus de balles, Ah, le con. Ok. Ouais, Stia, c'est le chef du gang, ouais. Mais j'imagine que genre, là, c'est un petit gang de merde, donc on est en train d'investiguer, en fait. Mais je pense qu'après, il va y avoir d'autres trucs plus vénères, avec des flics, etc., tu vois. Oh, le con. Oh, j'ai vu la balle arriver. Si seulement j'avais un peu plus de médicaments, je serais tranquille. Oh le bordel. Laisse-moi tranquille. Non, me tire pas dessus. Pousse. Est-ce qu'il a gueulé pousse? Ouais, il est un peu con, c'est pas grave. Mais il est gentil. Salut. L'autre, il savait même pas que j'étais là, quoi. Le pauvre, il est mort en sachant même pas que j'étais là. Y'a un autre mec là ou quoi? Non. Donc lui, faut que je prenne son gun. Voilà. On va se démerder avec le gun qui m'a filé, du coup. Et ensuite, je prendrai la K-47 qui est par terre. À couvert. Oh merde! Je crois que je l'ai eu, mais il m'a niqué en même temps. Ou plutôt, pousse. C'est raciste, mais c'était marrant. Non, je me suis fait ken. Un flic dans les triades? Tu veux dire qu'on joue un flic dans les triades infiltré? Mais ça dépasse l'entendement. Tu veux dire qu'il y a un film chinois avec un mec infiltré dans les triades? Waouh! Les mecs proposent ça à John Woo. Il fait toujours des films d'ailleurs, John Woo, quoi. Et Takeshi Miike d'ailleurs, il fait quoi? Et oh ouais! Et Takeshi Kitano d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Merde, ok, faut vraiment que j'y aille au ralenti parce que... Le fisc de Hong Kong. Hong Kong, redresseur d'impôts. Ok, c'est un peu chaud, c'est un peu galère là. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. Ok. Oh, ok. Oh, putain, la vache. Eh, hey, il faut vraiment être sur tous les fronts en même temps, en fait. Merde. Je me relève, je prends une balle. C'est pas grave. Oui, Takeshi Kitano, il a joué dans Yakuza 6, c'est vrai. Mais, oh, ah, putain. Donc, je pense qu'il faut vraiment, en fait... Que lui, je m'en débarrasse vraiment vite, quoi. Voilà. Hop. Et qu'on laisse, en fait... ciao, là. Qu'on laisse tranquille un peu. Ah! Qu'on laisse tranquille un peu. Qu'on s'occupe de notre route, de notre chemin. Et qu'ensuite, on le nique façon boss fight, quoi, vraiment. Par contre, il a... Pourquoi, lui, il a le droit à des chargeurs John Woo, justement? Et que moi, j'ai des chargeurs réalistes. Bah oui, enculé. Le timing. Lol, truche. Attends, je peux pas voir tout de suite ce que tu m'as marqué, poteau. Oh non. Oh, dommage. Putain, j'étais bien, là. 4 mois, ça fait un bébé à qui il manque des bouts, mais ça passe. Franchement, ça passe. C'est combien... On avait dit combien de semaines avant de pouvoir encore interrompre un bébé? Je vais dire comme ça maintenant, interrompre. Oh là là. Ok. Ramasse l'arme. Ouah. Protège-moi, bibliothèque. Protège-moi, connaissance. Ok, impeccable. Ouah. Yes. Toi, ferme ta gueule. Donne-moi ton flingue. Tu sais déverrouiller, recycle. Ok. Bip. Didi. Oh le con. Oh le bâtard. Oh l'enculé. Je pensais que j'allais pouvoir le cheese. Je peux même pas cheese en chinois. Mec, you cannot cheese the Chinese. The Chinese that refuse to be cheese. Oh merde.
Si jamais je fais un nanar avec, avec des triades, un flic infiltré et tout, ce sera le sous-titre, je pense, ce sera la tagline du film. You can't cheese the Chinese. Merde, non, le flingue. Oh. Ok. Bon, j'arrive de façon assez, assez facile maintenant à arriver à ce point du boss fight. Oh là 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 là. Oh non! Oh putain! Oh là là, comment je vais faire? Putain, comment je vais faire? Comment je vais faire pour le niquer? Aidez-moi là, j'ai besoin de conseils tactiques, les mecs là. Comment je vais faire pour pouvoir le niquer là? Ah ouais, il est tendu de ouf, hein! Mais c'est cool parce que tu vois, depuis tout à l'heure, je me disais, bah ça va commencer à être un peu facile en fait. Ce qu'on est en train de faire, tu roules, t'es invincible, t'as du slow motion et tout. Et en fait, c'est vachement intéressant. Bon, j'espère que ce sera pas juste des bullet sponge ou les boss les plus avancés, ce sera juste qu'ils ont plus de vie, tu vois. Mais je pense que le jeu est plus intelligent que ça. Donc, à mon avis, ça risque d'être plutôt intéressant le reste. Mais bon, on sait jamais, ça se trouve, ils ont eu des idées de merde après, hein. Blip, blap, blap, impeccable. Allez, nique ta race, file-moi ton flingue. Voilà, bibliothèque, impeccable. Ok, on peut rester un peu planqué. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment, ouais, essayer de rester à couvert. Sortir uniquement en dodge. Yeah! Ra, ra, skibidi pop pop. Chinese man, je t'ai niqué, Chinese man. Non, ding, not too young, not there. Je connais pas les paroles. Na 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 na. Oula. Pourquoi la manette? Oh putain, t'imagines mec faire ça à la manette? Ah mais c'est ma manette qui a vibré? Non, je sais pas. J'ai entendu un brrr, mais je suis pas sûr que c'était dans le jeu ou ma manette. Non, c'était dans le jeu, ouais. Putain, faire ce jeu-là à la manette, je comprends même pas, quoi. C'est ce que je disais, tu vois, j'ai fait un thread, justement, sur la discussion Steam du jeu, en disant, comment ça se fait, est-ce qu'on peut même pas, genre, changer les options de touche dans les fichiers du jeu, tu vois. Au moins, il y aurait eu ça, ça aurait été facile. En plus, c'est un truc Unity, donc j'imagine que tu peux trouver un fichier et changer les binds, tu vois. Et le dev m'a répondu, du coup, il m'a dit, bah non, ça arrivera un peu plus tard, le rebind des touches. Et je lui ai dit, enfin, il y a des mecs qui disaient, mais on peut même pas y jouer à la manette, c'est pas possible d'y jouer à la manette, quoi. Comment tu veux jouer un truc comme ça à la manette? Interrogation continues. The time is 1645, June 14th, 1992. So let's back the clock a little bit. Attends, non, c'est par contre, là, je m'en fous, voilà, merci. No. C'est marrant, on peut skip, on peut changer l'angle de la conversation autant qu'on veut. Putain, j'avais oublié. Je m'en fous. On reste positif. Voilà. Regarde, hop. 1992. Bon bah voilà. The Rat. D'accord, donc on a... Ok, donc ça c'était 4 days earlier. Et on a 3 days earlier. D'accord, ok. Et ensuite il y aura le jour de l'incident, je pense. Et ensuite, un day après, deux days après, Johnny Hallyday. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini, ouais. Can you fly, punks? Ok, Robocop, excuse-moi. Can you fly, punk? Go ahead, make my day. Oh non, me dis pas qu'il fallait sauter entre les buildings. J'étais content d'avoir découvert un truc, je pensais que c'était du gameplay émergent, moi. Go ahead, punk, make my day. Qu'est-ce que... Je pense qu'on prendra le clip size du rifle après, ouais. On va le prendre. Il a fait une vanne avec Johnny Hallyday, là, je reporte. Oula, je suis bourré ou quoi? Ha! Salut! Oh. Ok, extrêmement classe. Ok, extrêmement classe. Ferme ta gueule, voilà. Oh! Oh là! J'ai de la chance d'être bon, mais en même temps, je suis en train de me dire, j'ai de la chance qu'il soit moins bon que moi, en vrai. Surtout. Oh! Oh, j'ai pris le plomb! Tu l'as vu, le plomb? J'ai mangé le plomb dans la tempe. Le plomb dans la tempe, d'ailleurs, c'est mon prochain album. Salut. Est-ce que je peux... C'est pas grave. Ok, impeccable.
Je pense pas qu'ils retireront le blur qu'ils mettent là entre dans les kills finales. Parce que je pense que ça peut être partie de leur direction artistique. Mais il y aura peut-être, ça se trouve, il y aura du Steam Workshop. Parce que je pense qu'il y aura des éditeurs de niveau, c'est obligé dans un jeu comme ça, tu peux pas faire autrement quoi. Et je pense qu'il y aura des mecs qui permettront d'enlever le blur. Ça m'étonnerait pas du tout. Ok, impeccable, je prends ça. C'est quoi, c'est des flingues? Ok, impec. Ah! Crac, salut enculé! Je fais un peu du bruitage à la bouche, c'est parce que c'est tellement intense. Ouh! Était-ce une femme? Je viens de tuer une femme? Tant mieux. le mec, apathique. Je viens de tuer 14 pères de famille quand même, hein, tu noteras. J'ai vraiment cru que t'allais tomber entre... Je crois qu'on peut pas tomber entre les immeubles en fait. Je vais essayer, tiens, prochain truc. Putain de merde, de fais chier, de cul, de putain d'enculé, de... Je veux pas dire d'insulte raciale, parce que déjà qu'avec la chanson la dernière fois, j'étais tendu du cul. Là, on va rester tranquille, d'accord? Et tomber entre les images. De quoi? Immeuble et images? C'est chaud un peu, non? Comme van, non? Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Allez, on va prendre clip size. On peut encore prendre le fire ride? Non, voilà, c'est ça. Il y a aussi les upgrades qui sont mal notés, genre celle-là, je l'ai déjà, tu vois, pourquoi il me la marque pas? Ah, d'accord, c'est marqué là, en fait. C'est moi qui suis un gros abruti. C'est moi qui ai pas compris le menu. Ok. Mange ta mère. On va faire un petit coup dans le salon au cas où. Hop, ferme ta gueule. Hop, hop, ha, cha, ha, hop. Ferme ta gueule. Toi aussi t'en veux? Bap, bap, bap. File-moi un flingue. On en est où? J'adore cette map. Là, ça fait Max Payne pour le coup, là. Ha! Ouh! Vas-y, qu'est-ce que t'as? Oh la vache, j'ai pas vu le mec en costard blanc. Je vais lui faire un toc-toc. Mais en plus, non, c'est pas la même que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est le mec qui a tiré avant moi. Je sais que j'ai pas buté l'autre. Je lui laisse un peu le temps de vivre en fait. L'autre là que j'ai loupé, j'ai l'impression qu'il mérite. Il mérite ce temps que je lui ai accordé en fait. Hop, ferme ta gueule. Oh oh oh. Ouah. Toi, ferme ta gueule. Ah, je suis pas fan du fusil à pompe. Je suis vraiment pas fan du fusil à pompe en fait. Ah, select weapon, on peut retourner au menu. D'accord, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Tiens, je vais prendre le rifle. Les flingues, même en hauteur, ils donnent une sensation de puissance dans l'arme. C'est ouf, je pense qu'il faut rester mal poli et arrêter de frapper aux portes. J'ai l'impression, hein. Ha. Il a pas frappé, chef. Quel enculé. Mettez-le à mort. Oh là 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 là. Tu l'as vu l'armure de Kendo? Il y avait une armure de Kendo. C'est marrant parce que c'est vraiment bien représenté en fait. Là, j'ai loupé. Ouah. Ah. Le mec au costard blanc, à chaque fois que je le croise, j'ai l'impression de niquer le fisc. Ouah. Pas le fisc, hein, fisc. Wilson. Wilson! Toc toc! Ah, cette fois-ci j'ai frappé, mais avant et à la bouche! Oh là, vos gueules! Hop, dans la cuisine! Tu cuisines, tu bouffes que je te prépare! Je suis dans la cuisine, tu bouffes que je te prépare! Je mélange! Toc toc! Je t'ai bien niqué cette fois-ci, sale enculé, bah, avec ta chemise rouge, il est habillé comme un ventru. Non, un toréador dans Vampires de Mascarade. Il mérite ce temps que je lui ai donné, il fait du storytelling. Mais pour le coup, il y a moyen de te faire tes propres petites scènes, tes propres petits RP. En fait, j'ai l'impression que le jeu s'y porte pas mal du tout. Casse les couilles par contre. J'aurais vraiment dû le faire. J'aurais dû attendre un peu avant de commencer le stream, je pense. Avant de faire ce jeu-là. Je pense que j'aurais dû rester sur mon idée de Skate 3, attendre que le jeu soit fini et le faire plus tard, parce que c'est vrai que là, c'est un peu handicapant quand même.
On lui dit que les FDP en costard, c'est un cuistot. Attends, est-ce que je peux peut-être faire un truc? Est-ce que je peux peut-être faire un truc? Déjà, ça se dit pas. Donc, tu fermes ta gueule. Russiane, tu dis de la merde. Je vais fermer ce chat là. Je vais foutre le jeu en 720p et le foutre en full screen. Comme ça, on sera peut-être moins enclin. Les options ne sont pas allumées. Je peux avoir l'écran des options, par contre, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que je peux avoir l'écran des options? Non, mais moi, ce que j'aimerais avoir, en fait, c'est l'écran des options, monsieur Hong Kong. Monsieur Hong Kong? Oui. Oui, voilà. Et voilà, j'aimerais, moi, le menu... Non, il est niqué, votre menu. Il est niqué. Bon, attends. Je relance le jeu. Ouais, ouais. Il est là, le problème, quand on finit pas un jeu. Hein? Alors? Normalement, ça devrait pas poser de problème, du coup. Si je fous le jeu déjà en full screen, il devrait pas m'emmerder. Et ensuite, tant pis, je lirai le chat. Attends, tu sais quoi? Je vais bouger le chat, du coup. Parce que sinon, je vais pas vous lire aussi facilement. Voilà, là, on est bien. Jeu de ses morts. Je dirais pas ça, il est sympa quand même, mais... Voilà, il m'a foutu en plein écran. Déjà, cet enculé, en plus, il me provoque, hein. Il me provoque vraiment, hein. Résolution. On va se foutre, voilà, en 768p. Ça, ah, ouais, cool. Et full screen, voilà. Merci. Ah non, mais ça merde même comme ça, en fait. Regarde, je suis bloqué, là. Mais non, mais c'est bidon. Mais il est complètement niqué, votre truc. Mais je fais comment, moi? À l'aide. Ok. Mais non, c'est de la merde. Mais enfin. Ah si, c'est bon, d'accord, il faut alt-tab un peu. Mais je joue à la manette, t'as cru, toi. Ouais, c'est bon, il fallait juste alt-tab vite fait du jeu. Ça va, la résolution marche toujours pour vous? Ouais, c'est bon, y a pas de problème. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Il faut l'alt-tab un peu. Tu sais, c'est comme dans Wargames, où le mec, il fait... on a une alerte ogive. Vous avez qu'à tapoter un petit coup? À chaque fois, ça me fait rire. Vengeance comes out blazing. Vous avez qu'à tapoter un petit coup? En plus, le mec, il le fait. En plus, il tapote sur la... sur la truc. Allez, je vais prendre les flingues. J'adore les flingues. Ok. Ah. Mec, il a tiré sur une fenêtre. Elle me faisait chier, je voulais un courant d'air. Ça va? L'IA, par contre, elle est perfectible, j'ai l'impression, hein. Toi, t'as beaucoup de chance là-bas dans ta cuisine. Enfin, c'était un bureau, mais... Oh, du Sprite! Toi, ferme ta gueule. Bam! Oh! Dommage. Joue au stick Atari. Mais limite, ça se fait, hein. Non, remarque, non, parce qu'il faut plus de boutons quand même, mais... Ok, nique ta race. File-moi le SMG, voilà. Genre, je fais des bruits de comme si c'est moi qui faisais l'effort, tu vois. Oh! Mais je vis mon personnage, moi, je vis ma vinaigrette, et ça, vous pouvez pas le comprendre. Ah, j'ai fait une référence à une vieille chanson de merde, bah écoute... chacun son délire. Ouah! Franchement, manette, ça se fait, hein. Non, tellement pas. Surtout que quand t'es en slow motion, je vous l'ai dit, la souris ralentit. À la manette, j'imagine même pas le calvaire pour essayer de caler des bonnes têtes, tu vois. Salut, les gars! Bap! 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 Voilà. Ça, c'est du John Wick, ça. Ouf. Fais-moi un fusil de chasse, let's go. Oh, la petite basse là. J'ai loupé. Il est chiant ce fusil de chasse en fait. Ferme ta gueule. Oh, 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 oh. Oh, ils sont vendants à l'infini. Au revoir, Yugi. Au revoir, tout le monde. Je peux pas les suivre. Oh, dommage. Oh, dommage. Je pensais que j'étais encore en dodge. Salut Ruru, salut roi du Bayou, c'est la poteau quoi. D'ailleurs, j'ai dit bonjour à personne, je suis désolé, j'ai lancé mon stream comme un bâtard là. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça vous plaît toujours ce petit stream là? Est-ce que ça vous a donné envie de mater Hard Boiled ou À toute épreuve avec Chow Yun Fat de John Woo, qui est un super film qui est assez long, mais il est vraiment génial. Et dedans, il y a Chow Yun-fat qui descend une rampe d'escalier avec deux Beretta et qui défouraille sur des criminels. Et il y a une scène dans un hôpital où c'est juste complètement vénère. Il s'éclate à coups de fusil de chasse dans des plans séquences. C'est complètement dingo.
Je l'ai jamais vu de John Woo. Jamais vu de John Woo, ça surprend. Et bah mec, je te conseille de voir À Toute Épreuve ce soir, après le stream de skate bien sûr. Et tu vas vraiment kiffer. Ah. Du coup, j'ai regardé une rediff, faut faire une blague de cul quand on arrive, c'est ça? Bah t'es déjà venu déjà, le roi du Bayou, je t'ai déjà vu. Alors pourquoi il est où? Il c'est quoi ton problème? Ça l'enculé va. Regarde Double Face, le meilleur film de John Woo. Non, c'est À Toute Épreuve. C'est À Toute Épreuve ou... merde. Un flic à la maternelle. Les gars, est-ce que vous avez vu le film Vengeance? C'est un film chinois, je crois d'ailleurs, avec Johnny Hallyday. J'en ai parlé déjà en stream. Parce que c'est j'ai l'impression que c'est surnaturel quand j'en parle à chaque fois. Un film chinois de criminels, de la triade et tout, avec Johnny Hallyday qui prend sa revanche sur des mecs. Non mais ouais, non mais évidemment. Oh. Est-ce qu'il a fait des dodges lui aussi, putain? Et moi je l'avais vu au cinéma, donc on était que trois dans la salle, il y avait moi, mon pote et ma mère. Et c'était complètement dingue de voir Johnny dans un film comme ça, vraiment. J'ai pas compris pourquoi il était là. J'ai l'impression qu'en fait, le réel était chinois, je crois. Hein. Et j'ai l'impression qu'il voulait faire un petit peu comme beaucoup d'autres réalisateurs, genre demander à des grandes stars françaises. Et par exemple, il y en a beaucoup qu'ont demandé à Belmondo ou des trucs comme ça, ou qui font des références à Belmondo et tout. Ils se sont dit, on va prendre une star française. Le problème, c'est qu'ils ont pris Johnny Hallyday, quoi. Et le nom, c'est Vengeance. Je crois que ça s'appelle Vengeance. Johnny Hallyday, quel enculé. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des gars donc, qui font des dodges comme nous, et ils sont habillés en flics. Donc il y a d'autres flics, qui sont certainement ripoux d'ailleurs, et qui font des dodges. Ah non, mais tout le monde fait des dodges en fait. Ah, c'est Dodge Town. Genre ils sont chinois, tout le monde fait du kung-fu quoi, si merde. Ouh, là j'ai bien fait de dodge à ce moment-là. Impeccable. Toi, ferme ta gueule. Oh, 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 putain. Oh, putain de sa mère. Oh, la vache. Comment le jeu fait pour avoir des armes qui ont plus de poids que beaucoup de FPS alors qu'on est en vue de dessus, quoi? Je veux dire, c'est comme si t'avais un meilleur feel au niveau des véhicules dans Advance Wars que dans Arma, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouh! Dodge Rover. Quoi? Dodge Rover? Non, Range Rover. Ou Land Rover, mais pas Dodge Rover. Dodge, c'est un constructeur. Range Rover, c'est un modèle, je crois. Les véhicules de Arma sont horribles. Ah. C'est marrant, je pensais qu'ils étaient agréables, moi. C'est con, hein. Quand t'as une simulation, mais que tes véhicules, c'est de la merde. Ouf. Le mec s'est dit, tiens, je vais me tenir devant cette porte en papier. Lui aussi, d'ailleurs, il s'est dit la même chose. C'est complètement con. C'est les gars. Bap, bap, bap. Yes. Oh, la vache. Donc, comme dit Hadar, il me préfire. Une pré-fire, putain, c'est mon aventure. Bon, je t'arrasse. On va passer par là. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Je sais pas si vous voyez, mais je commence à prendre la confiance un peu trop, et du coup, je fais un peu n'importe quoi. Je fais pas aussi attention que tout à l'heure. Ah, vite. Oh, 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 merde. Qu'est-ce qui m'a niqué, là? J'ai pas vu. Avec Kado, ils m'ont posé les hélicos dans les arbres. Mais je pensais qu'Arma avait une conduite de véhicule assez sympathique. Assez sympathique. Apparemment non. Ok. Ouh là là, je commence à faire n'importe quoi là. Il faut que je reprenne mon faut que je reprenne ma routine de tout à l'heure là. Bip bap skibidi. Voilà. C'était quoi? Ok, il y a aussi le fait qu'il faut pas de... Est-ce qu'ils commencent à eux aussi prendre des habitudes, les ennemis ou quoi? Je comprends pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils m'oublient pas dans les vies qu'ils ont eues avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre que eux aussi, ils sont dans Next avec Nicolas Cage. Fais-moi le... Voilà. Le Mac 10. Salut! Ouf. Ouh.
Ouh, le Dodge Vénère. Ok, lui, je l'ai niqué. C'est bien. Ouh, impeccable. Cette map est gigantesque. Il me faut un gun. Putain, pas le fusil de chasse. J'ai encore me faire niquer avec le fusil de chasse. Il me faut autre chose. Salut. Bah. Bonsoir. Bah. Bah. Ouf. Ouh, j'ai fait éclater la porte. C'était beaucoup trop classe. T'as fermé ta gueule. Enfin, si je ferme ta bouche. Je suis au top, moi. Tu veux faire quoi? Oh. C'est le dernier. Faut pas que je me fasse niquer maintenant. C'est pas le dernier. Il est où le dernier? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ça partait bien ici des films avec Nicolas Cage. Et bah quoi? J'aime bien Nicolas Cage, moi. Il est où le problème de Nicolas Cage? C'est un très bel acteur. Tu l'as pas vu dans The Wicker Man? Not the bees. C'était bien. They're in my eyes. Next, y a personne qui l'a aimé et j'ai kiffé ce film. En fait, c'est pas que je l'ai pas aimé. Et en fait, c'était un des seuls DVD que j'avais pendant un moment. Next, chez moi. Et le problème, c'est que je l'ai vu beaucoup de fois et que je m'en souviens même plus. Non, mais Ghost Rider 2, au pire, ouais, ok, c'est de la merde. Benjamin Gates, j'aime pas trop. Mais 60 secondes chrono. Eh oui, bien sûr, 60 secondes chrono. Là, on parle. Avec Low Rider Donnie. Tout, 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 tout. C'est pas Lord of Guns, c'est Lord of War. Mais Lord of War, oui, est génialissime. Et c'est vraiment un superbe film. Clip size, movement speed, fire rate, extra clip. Ok, on va prendre le shotgun. Même si je suis pas trop fan du shotgun, on va le prendre. J'aimerais bien pouvoir le prendre, par contre. Ah, d'accord, fallait cliquer ailleurs. Ok, ça commence vénère. Oh la vache. Coucou. Ouf. Bonsoir. Bip. Bap, tire. Avant demain. Ok, c'est bon. Oh, oh la vache. Ok, donc là on est dans un club. J'adore les missions qui se passent dans des clubs. J'ai l'impression que c'est ça, un bar club. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Fais-moi les flingues, je préfère les flingues là. C'est un peu plus ouvert. Impeccable. Là c'était John Wick de ouf là. Là c'était John Wick de ouf. Bonsoir. Heureusement qu'il y avait un petit poteau. Heureusement qu'il y avait. Tu vois ce qu'il y a là sur mon curseur. Si ça avait pas été là, je me serais fait déboîter la rate. Comme quoi ça tient un peu de choses des fois. Ouh, il y a même des tables de poker. Comme dans Banlieue 13. Quand Damien il défonce les mecs dans le bar clandestin là. Ouais, Banlieue 13, Nicolas Cage. Bon bah écoute. On peut même faire des sauts sur les trucs. Impeccable. Loupé. C'est chaud. Ok. Impeccable. Bon, le 13, ça fait un bail. Franchement, faudrait enchaîner la casse, le vieux entrepôt, le club, t'es refait. Bah, carrément, ouais. Carrément. Mais pour l'instant, les maps, elles me plaisent énormément, là. C'est les settings que vraiment je suis fan. Ouh! Banlieue 13, Ultimatum, gros film. Autant, Ultimatum, je m'accorde à dire que c'est un gros film de merde. Autant. Le premier Banlieue 13, je l'avais bien aimé. Non, en vrai, j'avais bien aimé. Street Fighter of Rage. Allez, let's go. J'aime bien ma B13 et B13. Ultimatum, vraiment, j'ai pas kiffé, mais... Ouais, non, ça va. Franchement, ça va. Y'a pire. Petit solo de basse, pépouze, là. Ferme ta gueule. Allez, plus de slow motion, d'accord? Allez, go. Slow motion less. Oh la vache! C'est bien plus vénère comme ça! Oh là 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 là! Ouh, d'accord, ok. Peut-être de temps en temps, faut quand même le garder, mais... J'ai oublié que j'avais le gun. Ouh! Ouais, j'ai ok là j'étais un peu paniqué là. Ok, faut que je m'en prenne. Hotline Miami. Ah.
Est-ce qu'on peut revoir juste un ralenti de ce qui vient de se passer? Il me semble que dans la première pièce, le mec a tué son pote. Il me semble qu'il m'a tiré dessus pendant que j'ai dodge et qu'il a tué son pote. Faudrait regarder ça, mais à mon avis, oui. T'as cherché Marc aussi. Ouais, ça, ouais, j'ai cherché l'avoine, je sais. Hop, fais-moi ça. Ah non, mais je l'ai. Non, mais attends, hey, mec. Ce cas, ça fait 10 ans maintenant qu'on traîne ensemble. Je pense que je les ai, tes vannes. Oh, merde. Je pensais que j'avais déjà le cooldown du deuxième dodge qui était OP, mais... Ta gueule. Vas-y, ferme ta bouche. Blap. Ouh. Je me suis relevé quand il y avait une balle. Ok. Ow. Je sais pas ce qui change en fait entre ça et Hotline Miami. Je crois qu'en fait les ennemis sont beaucoup plus rapides à la détente. Genre, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas jouer à ce jeu là comme je jouais à Hotline Miami, tu vois? Oui, enfin, oui, je suis nul, d'accord, mais c'est pas ça la question. Je sais pas ce qui change au niveau du gameplay, j'arrive pas à me rendre compte en fait. Oh! Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Garnement? Il y a toute une partie là en fait. Ha! Oh la vache, c'était chaud là. File-moi ça. C'est un gun, c'est pas ça? Ah, ça c'est mieux. Parce que là t'as des septos chinois. Non mais genre, si là j'utilise pas le slow motion et les dodge, je vais mourir. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans Hotline Miami, y a pas les dodge et les saltos. Alors qu'est-ce qui fait, tu vois, que là, c'est bien plus difficile? Je pense que c'est bien du fait que HM est construit comme un puzzle game et que là c'est surtout de l'action ultra classe. Ok, mais je veux dire, genre, concrètement, au niveau du gameplay, au niveau des timings, au niveau des... Je sais pas ce qui change, en fait, j'arrive pas à me rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à mettre des mots sur ce qui change, alors que, pourtant, on dirait vraiment les mêmes jeux, quoi. Les murs, mais ta gueule avec les murs. Les murs, c'est les mêmes, ceux-là aussi, tu peux les traverser tous, en plus. Les ennemis te repèrent, du coup. Ouais, oui, mais, je sais pas, c'est bizarre, c'est chelou, tu vois. Peut-être que les munitions sont plus lentes dans Hotline Miami. Je sais pas. Faudrait que je fasse une petite analyse approfondie. Ce serait intéressant. 3 days earlier. Hello. You should head back to the kitchen and see Chef Long. He wanted to talk to you. Je sais pourquoi le bartender c'est un violeur. We love something to the two-headed dragon. Non, je vais pas le faire. I lost my brother many years ago. He was a member of the two-headed dragon. After he stole some money from a drug deal, he was executed in cold blood, put to sleep like a dog. Chang Wong was the one who pulled the trigger. Anyway, I know that he and his gang used to hang out in an old apartment down in Lok Fu. If you go there, you might find him. Would you like to taste this snake soup I am making? Non, merci. Moi, si quelqu'un descend un type dans ma cuisine, j'ai au moins le réflexe de me renseigner un peu. Oh, j'adore. La façon dont tu l'expliques, c'est vrai que il y a un moment où tu commences à te poser des questions. Tu dis, tiens, ça a tiré du calibre 12 entre mes casseroles et mon blender. Peut-être que, ouais, là, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Mais c'est vrai, t'as raison. Je vais prendre le SMG. Let's go. Oh, je suis bloqué derrière une table. Ouah. Impeccable. Oh, il a mangé pour 3 là. Il a pris un combo maxi best-of. Non, je sais ce qui change. Les ennemis ici sont mobiles. Dans Hotline Miami, ils ne le sont pas, à part quand ils voient un tir. Et dans Hotline Miami, ils restent à la place exacte. En fait, ils ont des comportements que tu peux télégrapher de ouf. Tu t'y attends et tu les connais en fait au fur et à mesure. Finir un niveau de Hotline Miami en une seule vie, c'est très très dur. Comme ce jeu-là d'ailleurs. Mais lui, c'est parce que les ennemis sont mobiles. Ils t'entendent de temps en temps et de temps en temps pas. Et c'est pas en fait, comme on dit, anticipable. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans Hotline Miami, si, et d'ailleurs c'est tout le sel du jeu Hotline Miami, c'est d'anticiper les mouvements et les emplacements des ennemis. Et là, non. Je vais essayer de passer par la droite. Ouais.
Oh le bordel. Oh le bordel, mon gars. Anticipable, tu perds ton sang-froid. Bien, bien, Skad. Très bien. Belle référence à Trust. Ouais. Ok, ok, là, il va falloir que John Wick... Ouha. Whippity ouha. Sans ta gueule, j'ai pu défendre la télé, je suis bien. Pourquoi, tu vois, par exemple, lui, pourquoi il m'a vu? Pourquoi il a commencé à tirer, tu vois ce que je veux dire? Le jeu est pas consistant, en fait, dans les choix d'IA. Et ça rend le jeu un peu compliqué, mais c'est pas un problème, hein. C'est chelou, c'est pas normal, ça rajoute de la difficulté qui était pas à la base prévue, mais c'est pas non plus handicapant, tu vois. Oh, d'accord. Bah, je me demande si t'entendent pas un peu quand même. Il doit y avoir une méthode de détection qu'ils ont fait qui est bizarre. Mais le problème, c'est que là, tu vois, j'étais derrière j'étais dans une pièce, et l'autre, il a commencé à tirer à travers le papier, alors qu'il était pas à portée de m'écouter, tu vois ce que je veux dire? Et c'est bizarre, des fois même, il commence à tirer, tu vois, tout à l'heure, je suis allé vers la droite au lieu de la gauche, et le gars a direct commencé à tirer à travers la fenêtre en papier, et je sais pas pourquoi. Pas à portée. The Tiger! C'est un mec avec des gros pecs ou une nana, ça? Oh, c'est une meuf, ça. Une grosse meuf. Il a vu ton ombre. Peut-être, oui, c'est les ombres chinoises. Après tout, comme on dit. Allez, prendre le rifle. Chang Wang, je suis là pour toi, enculé! Ah, les boss fights sont exactement identiques. D'accord. Bon, bah, je suis un peu déçu. J'avoue que je suis un petit peu déçu. Ouais, là, c'est dommage, ça, c'est vraiment très très dommage. Ils ont perdu une occasion de faire des boss vraiment tous différents, avec des gimmicks et tout. Et ça, c'est vraiment super dommage, là. Ouais. On arrive dans la pièce finale ou pas, là? Ouh, sans ta gueule. Ok, donc les dégâts sont scaled. Ça, c'est intéressant à savoir. Les dégâts sont scaled avec le fusil de chasse et les AK-47. Tous ne font pas le même nombre de dégâts. Même s'ils one-shot tous les mobs normaux. C'est pas pareil sur les mobs... Enfin, sur les boss. Donc, le fusil de chasse, là, je vais pouvoir la défoncer, la meuf. Si je prends un peu d'avance, voilà, sur ces maps-là, là. Ouais, yes. Yes, yes, yo. Écoute, fils, voici le métis. MC Café Crème. OMIC, si t'es pas... Je sais pas. Ouah. J'ai failli manger une. Oh. Seul le crime paie. Aucun remords pour mes péchés, tu me connais. Je suis assez bestial pour de la monnaie. Il manque Mani et la scie pour les billets. Si t'entendais... Tchouk. Non, toi, tu viens. Ok, go. Ha. Brep. Il a mangé. Chang Wang. Yeah. Succès déverrouillé. Good night and good luck. Seul le crime paie. Aucun remords pour mes péchés. Tu me connais. Je suis assez bestial pour de la monnaie. Je crois que le jeu s'est mis en 1080p encore. Je crois qu'en fait, il m'emmerde. Je crois que le jeu, il s'est dit, tu sais quoi? Bat les couilles de ce dont il a envie. Si ça se trouve, tu restes au début avec tes 30 balles, tu peux cheese et buter le boss sans bouger, tu crois? On va essayer à la fin de l'autre map. Ça se trouve, on peut cheese le boss à la fin. Les fameux journaux chinois écrits en anglais. Mais oui, mais tu sais pas comment ça marche, Skad, aussi. T'as deux types qui traversent tout le quartier sans regarder où ils vont en se tirant dessus, j'ose pas imaginer la gueule de la fête des voisins. Un peu comme dans John Wick quand ils se tirent dessus dans la station de métro avec les silencieux, là. Do you want a smoke before we continue? Here you go. Double Fortune is my brand, hope it's okay. I was on the wedding not so long ago with some distant cousin. Did you know that the bride had to light a cigarette for every man attending the wedding feast as a sign of gratitude and not any cigarette... Bah les couilles. À la dernière fête des voisins, on était 22, je suis le seul survivant. J'ai tué 76 chèvres. Time to put down Sukwa's wild dogs. Donc j'imagine qu'à la fin ça va être Sukwa en fait, le méchant. Food market, Kowloon. Oh, Kowloon. Kowloon, c'est pas l'espèce de ville où il n'y a pas de réglementation et tout est nickel, hein? C'est un genre de bidonville de malade.
sur plein d'étages. C'est un genre de carré, en fait. C'est comme un pâté de maison. Mais les régulations sont super étranges et c'est ultra vénère là-bas. Tout est empilé, en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Kamloon. Kamloon. Est-ce que... Unlimited ammo. Il faut que je prenne ça. Il faut que j'ai 8 points et que je prenne unlimited ammo. Je pense que ça va être bien, ça. On va pouvoir cheese le jeu dans ta gueule. Ha! Bip, bap! Skibidi! Wow! Ok. Pour l'instant, ça va! Chut, chut. Hop là! Oh! Ouh là 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 là! Waouh! Oh, je me suis pris une cartouche dans la nuque là! Ni hao! C'est les scolars! Kunlun, c'est pas Iron Fist. Mais si, Kunlun! Putain, c'est pas ça! Attends. Ça va me saouler. Kunlun. Il me semble que c'est ça. Kowloon. Ah non, je confonds. Kowloon City. Si, c'est ça, Kowloon World City, c'est ça! C'est une espèce de bloc de maison. Donc ça s'appelle Kowloon World City pour le coup. Et c'est ça, c'est un genre de bâtiment qui a été fait en bidonville complètement niqué sur plein d'étages et les gens là-bas ils s'autorégulent. Et c'est super flippant et genre ça menace de s'effondrer à chaque seconde si tu veux. Chaque seconde qui passe, ça augmente de 0,01% les chances que ça s'effondre tu vois. Et du coup ils ont leur propre ville. Et l'idée, c'est que ce sera une putain de map de jeu vidéo pour le coup. Là, je suis d'accord. Oh la vache, je suis passé entre les plombs. Ouh, je pensais que j'allais crever, mais non, je suis passé entre les plombs, mec. Kamloon, World City était situé à Hong Kong. Nanana. Ah, c'est fini en 92. Ah merde, eh bah oui, mais ça se passe en 92 là. Ah, eh oui. Et oui, le roi du Bayou. Il y a un peu ça dans Deus Ex Mankind Divided. Ouais, mais aussi dans... Guild Wars. Dans Guild Wars Faction. Dans Guild Wars Faction, il y a ça aussi. Il y a une map entière avec une ville de... Arrête de toquer. Il y a une ville entière qui est dans le même genre, avec des bidonvilles qui sont empilées. C'est assez flippant, d'ailleurs. J'aime pas beaucoup ça. J'aime bien cette track là. Tu vois, lui il a commencé à tirer l'enculé alors que j'étais même pas là. Oh la vache, le bordel que j'ai mis. Ah, ils sont à deux. Ah, les PD. Ah, bop bop. Oh la vache, attends, je voyais pas avec mon micro en plus là. En plus, je voyais pas avec mon micro ouais. Et en plus, je suis pas en forme. Mais attends, c'est où la suite? Il y a aussi ce principe de Mega City One de Judge Dredd. Ah oui, bah pour le coup, carrément, ouais. Ah, par là, ok, d'accord. Ha! Putain, eux aussi, ils esquivent. D'ailleurs, ça du coup, c'est marrant. Ça rajoute une dimension marrante au truc. Le fait que les ennemis, eux aussi, peuvent esquiver. Manque plus qu'ils aient, eux aussi, du slow motion. Et je pense que ça... Je pense que ça chierait assez vite. Ça veut dire qu'ils ont tous les capacités d'être un super-héros comme moi, en fait. Sauf que eux, ils ont pas des vies à l'infini. Ça s'appelle un multijoueur après. Comme... Comment ça s'appelle? Les gars, il y a un jeu comme ça en multijoueur qui tourne sur Source. Et où tout le monde peut dive dans le même genre. T'as des flingues de partout et tout. Putain, c'est quoi le nom? Merde. C'est un mode sur Gold Source. Putain, je me souviens pas. Ah, ça fait chier parce que c'est vraiment super stylé. Brink, mais putain, quelle bande de cons. Je suis un peu... Il faut que je retrouve le nom, mais c'était vraiment super stylé. Ouh. Ouais, vas-y, dodge toi. Dodge ta grosse race. Dodge pour ta vie. Sois libre et dodge. C'est ce que tu fais de mieux, Fatal. Bop. Oh putain, j'en ai eu qu'un. Oh. Ha. C'est de la merde, le fusil de chasse. Le fusil de chasse a une cadence de tir trop lente. J'ai loupé toutes les munitions. T'as des coups au corps à corps? Mais je crois pas, en fait. Je pense que si j'en avais, tu me verrais déjà en train d'essayer de compléter les niveaux uniquement au corps à corps.
Mais il me semble que Pickup Reload Pause Fire Dodge, non, on n'a pas. Non, c'est dommage, hein. Parce que putain, faire tous les niveaux au corps à corps, ce serait complètement stylé aussi. À la Rupert, quoi. Le bastoniste show, quoi. Rupert en Chine. Par contre, je crois que ça a merdé. Non. Voilà, ok. Je crois que j'étais bloqué. Prends pas de risque. Ouf. L'autre dans les chiottes, il a compris son délire, là. Ça va? Je suis pas tombé dans le vide du tout. Bah attends, attends, je vais essayer. C'est bien la première fois de ma vie que je t'entends critiquer un physique chat. Mais surtout que c'est un Bellini M3 ou un M5, là. Et que d'habitude, justement, ils ont... Si on peut tomber. Ah. Ah tiens. Ah tiens, merci Foxy, ça l'enculé, va. Je pensais qu'on pouvait pas, putain, je pensais que c'était c'était World End, mais non, ouais, carrément. C'est léger comme gravité, mais tu sais, en Chine, la gravité est pas la même. En Chine, ils sont à 0,7, je crois. G égale 0,7. Ça pose quelques problèmes, surtout pour les matchs de foot. Ferme ta gueule, Russienne, putain, ferme ta gueule. Bap. Ouf. C'était bon, ça. Toi, t'as mangé ta grosse race. Il fait quand même deux pas dans le vide sans qu'il se passe grand-chose. La vélocité, c'est comme dans les dessins animés, où il fait « Oh oh !» Tu vois? Où il attend avant de tomber. Oh la vache, c'est vraiment beaucoup trop classe, quoi. Salut Mirage. J'adore les maps, le fait que les maps soient un peu linéaires. Et ouais. Oh, je suis tombé dans le vide. Putain, c'est dommage que ce soit blurry, là. On aurait pu voir le cadavre et tout. Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est vraiment con. C'est vraiment con qu'ils aient pas... qu'ils aient pas fait en sorte, ouais, de pouvoir voir la mort à la fin, parce que c'est vraiment... Ah. C'est vraiment cool. Je prends toujours gravité fraise. Gravité fraise. Granité, j'ai, ok, j'ai escade. J'ai, elle était marrante en plus, mais j'ai mis un peu de temps. Dis-moi les flingues plutôt, je préfère les flingues en fait. Ça, c'est un point and click. Est-ce que t'as vu qu'il a cancel son dodge? Genre, il a fait ah, oh bah non. Le mec, il a tellement de muscles dans les abdos, c'est One Punch Man. Il s'arrête en plein milieu de son mouvement et il me nique. J'adore. Bon, on est 50, y'aurait pas un dev dans le chat, là? Putain, si quelqu'un peut demander sur le chat en anglais s'il y a un dev. Ça se trouve, il m'entend même pas. Parce que j'aimerais bien lui causer deux minutes, moi. On a des trucs à voir ensemble, là. Impeccable. Il est où, enculé, là? Le fight à travers les trucs en papier. Is there a Dave here? J'irais bien refaire un tour. Merci Claude François. C'est quoi Dave? Si, Vanina, c'est Dave. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan. Revoir mon premier amour qui me bat. Merde. Oh merde. Qui me donnait rendez-vous sous le chêne et me laissait l'embrasser sur la joue. Je ne... Pouf dans ta gueule. Benelli M5 dans ta tronche de chinois. Oh merde. Pour revivre un seul instant, éteint les bonheurs à l'ombre d'une fille. T'as vu, maintenant ils s'attendent à ce que j'arrive. T'as vu ça, c'est bizarre, non? Il y a des moments où je peux les prendre par surprise et des moments où ils ne veulent pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez incroyable de se dire à quel point les rencontres forgent... Non, je continue pas. Et merde. Non, je continue pas, promis, je la fais pas. C'est quand on a le goût de la chose. Le goût de la chose bien faite. Le beau geste. Ok. Mange ta merde. Bouffe ta merde et crève, espèce d'hispano-américain. Pip, dans le cul. Fais-moi ton fusil de chassou, là. Ton fusil de chassou. Voilà, on peut... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. C'est dommage qu'on puisse pas lancer le flingue. Même dans John Wick 3, il lance son flingue. Alors pourquoi pas là? Bip. Bah... Ouh.
Je crois qu'en fait, il a attendu que je finisse ma roulade et il a collé son canon sur ma nuque et il a fait... Countered. Ouais, ça arrive. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, étant donné que le jeu soit un petit peu random comme ça et super, super vénère, super joli, eh ben, ça me frustre pas beaucoup, en fait, de crever. Je suis pas vénère comme dans Hotline Miami. Bon, pourtant, je meurs pas mal, hein, mais... Ouf, trop stylé. John Wick 3 est sorti ? Non, 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 non. Oui, dans le trailer, on le voit balancer un putain de shotgun dans la gueule d'un mec parce qu'il a plus de munitions. Et c'est vraiment super... Ah, je sais même pas si c'est un shotgun ou un AR-15, j'ai mal vu. Hotline Miami, mais avec moins de possibilités de gameplay qu'en 2012. C'est-à-dire... Comment ça, les possibilités de gameplay? Je crois pas ce que tu me dis. Il y en a là, des possibilités de gameplay, je comprends pas. Enfin, il y a toutes les possibilités de gameplay de Hotline Miami en plus, mais avec des trucs en plus. J'ai pas regardé le trailer, je veux pas me spoiler. D'accord, bah tu fais bien. Tu fais bien parce qu'il y a des trucs vraiment stylés dans le trailer. Et je pense que ça va être une bonne surprise quand tu verras au ciné. Et moi j'essaie d'oublier, en fait, j'ai regardé qu'une seule fois. Et j'essaie d'oublier peu à peu, mais il y a des trucs que j'ai vu que c'est un peu impossible d'oublier. Et je pense que j'irai le voir dès qu'il sort, quoi. Faut voir s'il y a pas une petite avant-première d'ailleurs sur Nantes là, parce que... J'avoue que... Dis-moi, Scholar, qu'est-ce que tu veux dire par moins de possibilités de gameplay qu'en 2012? Je t'écoute. Argumente. Oh! Crève ta mère! Crève ta mère! Crève ta mère! Ok, il y a un truc à faire. Oh, le bordel! Impeccable, je prends ça. J'ai vu qu'il y a des flashbacks du Vietnam. Toujours. Ah, en plus, eux, ils peuvent recharger et pas moi, quoi. Bonsoir. Bam! Bah là t'as que des flingues, tu peux pas choisir ton power up au niveau du... Ah oui, c'est vrai, t'as raison Scholar, j'y pensais même plus à ça. Mais oui, t'as raison, il y a beaucoup moins d'armes là-dedans que dans Hotline Miami. Il y a pas les armes de lancer, il y a pas le corps à corps même avec Tony, le masque Tony. Masque Tony. Tu peux pas être deux comme avec les autres là. Oui, après c'est Early Access. C'est vrai que c'est Early Access. Et Hotline Miami a été fait par un studio qui était quand même bien plus énorme. Tony le tigre, ouais, le masque le tigre s'appelle Tony, justement, une petite référence. Et ça te permet de mettre des pains qui tuent en un coup. Et c'est ça qui est beaucoup utilisé pour faire les speedruns. Ouais, on pardonne parce qu'en plus le setting est assez unique. Remarque, Hotline Miami, quand il est sorti, le setting était pas mal unique aussi. On n'avait pas encore eu... parce que Hotline Miami, il est sorti, en 2012, c'est ça? Il n'y avait pas encore cette vague de Synthwave qui avait tout niqué. Oui, tout niqué, hein, je ne changerai pas mon expression. Et du coup, c'est vrai que c'était assez groundbreaking maintenant que j'y pense. Ok, un appartement, j'adore. Un petit appartement, là, ça, c'est cool. Bip, bap, c'est pas un petit appartement du tout, c'est un truc avec une mezzanine gigantesque. Très bien, je note. Ah, bim dans ta gueule. Et attends, par contre, j'ai les balles illimitées. Alors, est-ce qu'il va me faire recharger? Ou est-ce que ça va être des balles à la John Wood, justement? Justement. Ok, il me fait recharger, c'est cool. Il me fait recharger, c'est bien. Les deux choix auraient été corrects de toute façon, donc ça va. Ouh! Cette rapidité de gameplay était ouf. Ah ouais, je suis vraiment fan de Hotline Miami. Hein. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Mais le premier, le deuxième me plaît beaucoup moins. En fait, je trouve que le premier Hotline Miami, certes, fait un petit peu rétro, bizarre et tout. Mais il fait pas encore genre pur synthwave rétro outrun. Allez viens mon gars, on se met des fringues bariolées, etc. Tu vois. Même si d'accord, il y a une DeLorean, il y a du Carpenter Brut et tout. Je sais pas, le premier, je trouve que c'était plus. Je trouvais que le premier avait lancé une mode et que le deuxième essayait de suivre la mode qu'il avait lancée. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième était pas aussi inspiré. Que le premier, ils ont foutu du synthwave dans le deuxième juste pour foutre du synthwave, tu vois ce que je veux dire? Et déjà, j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises déjà de ce que je trouvais dommage avec Hotline Miami 2, je vais pas le refaire, mais c'est vrai que ça au niveau du style du jeu, et bah, c'est pour ça qu'il me plaît moins aussi.
les tracks sont moins recherchés. Tu dis, bah écoute, on va prendre tout Perturbator, on va prendre tout, comment, Cluster Buster ou je sais pas quoi là. Et vas-y, fous ça, fous-moi tout là-dedans. Alors que le premier, il y avait quand même autre chose. C'était au-delà de juste Carpenter Brut et Perturbator, tu vois ce que je veux dire? Oh la vache, c'est vraiment vénère en fait quand t'es pas au ralenti et que tu regardes les autres faire des roulades. Oh, 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 oh! Mec, il a fait. En chinois en plus. On dirait qu'il fait de la philosophie en massacrant des gens, je peux, hein. Écoute, Gengis Khan a bien fait pareil, hein. Sun Tzu aussi, hein. Mec, il écrit des bouquins en tailladant des enculés. Ouh, oh, la vache. Le 2 a aussi des niveaux pas fun de tout. Bah voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on en a parlé à de nombreuses reprises. Mais le level design du 2 est complètement foiré, selon moi. Et j'avoue que je suis moins fan de la petite trame narrative qu'ils ont mis au 2, là. Avec les mecs différents, le gars qu'on joue au Vietnam et tout. Je suis vraiment moins fan de ça. Je préférais l'histoire de Jacket. Un mec qui se réveille un jour, on lui passe un coup de fil et c'est la merde, tu vois. Et c'est vrai que j'étais moins fan. Après, voilà, ils ont essayé de faire leur truc, ils ont essayé de faire leur scénario. C'est louable, ils ont bien fait d'essayer. Mais je suis vraiment moins fan, quoi. Je suis vraiment moins fan. De la philo raciste avec accent en butant du Nyakwe. Je sais pas de quoi tu parles, Hoffman. Mais il est en train de se faire. Je crois qu'il mate un autre stream, en fait, Hoffman. Oula, c'était vénère, là. Ok, donc il y a quand même une touche pour le reload. Je pensais que le reload était automatique, mais il y a une touche pour le reload quand t'as les munitions illimitées. C'est marrant, ça, comme truc. Non, non, je suis bien là. Ah, le mec qui regarde, le mec que Hoffman regarde lui a demandé s'il était bien là. Ok, impeccable. Il y a encore des gens ici. Ouh, il y a encore des gens ici. Ça me gratte l'intérieur du nez. Ah. La storyline du 2, c'est un putain de bordel, ça faisait trop, ouais. Et du coup, comme c'est bizarre, comme c'est... Bah, le premier est bizarre aussi, c'est vraiment étrange, tout le délire avec les patriotes, je sais pas quoi, là. 50 Blessings. C'était bizarre, si tu veux, mais il y avait quand même un côté... L'histoire, tu la comprends comme tu veux. Enfin, l'histoire, tu la comprends si t'as envie de la comprendre. C'est pas... si t'as pas envie de te taper les explications de... Et puis, c'est vrai que dans le 2 aussi, il y a tout le truc avec Midnight Animal, le flic, etc. et tout, là. L'ancien russe aussi, reconverti. En fait, il y a plein de storylines dans le 2. Et c'est vrai que quelque part, eh ben, je m'en battais les couilles. Et c'est vrai que du coup, bah, ça a eu beaucoup moins d'impact que dans le premier où, putain, si tu te rends compte à la fin qu'il y a une histoire, quoi. Avec 50 Blessings qui veulent rendre la gloire au pays, machin et tout, les patriotes, enfin, c'est génial, quoi, c'est vraiment bien. Je viens de changer d'arme, ouais, je change d'arme, je sais même pas pourquoi. Ouh là là. Hop, t'as fermé ta gueule. Vas-y, ferme-toi, bouge, fous-moi le fusil de chasse, là, yes. Lui, il est tout seul derrière sa truc en papier, là, je l'aime beaucoup, je pense que... Oh l'enculé! Blap! J'adore le fait que l'explosion de la cartouche de fusil de chasse illumine toute la pièce, quoi. C'est beau. Ok, il y a des enculés là-bas. Ils sont où? Ah, il y a un mec là. Ouh! Nice! Il y a des super lumières dans une empêche. Ouais, c'est super bien travaillé, ouais. Le truc de l'acteur, j'étais en mode « Ouais, vas-y, dis-moi plus, je me gratte les couilles. » c'était assez intéressant, si tu veux, le délire avec l'acteur, le flic, les gars qui font... Je crois qu'ils font un braquage ou je sais pas quoi. Où ils sont, non, je crois qu'ils sont juste fans de 50 Blessings. Voilà, les fans, ils s'appellent justement. C'était marrant, tu vois. C'était assez recherché. Mais c'était ça l'était trop, en fait. C'est pas pour ça que les gens ont aimé... Enfin, en tout cas, c'est pas pour ça que moi, j'ai aimé... Il s'appelle Mr. Tequila? Arrête! Mais c'est le mec dans Stranglehold! Mais merde! Oh le con! Wine tastes so good! Tequila saw something the other day. Some bad word, very bad! Pourquoi il a un accent. Ok. Mais c'est un clodo en plus! Est-ce qu'il se fout de sa gueule? Non, je pense qu'il se... Ouais, parce que... Non, ouais, c'est lui, ça, c'est Choyun Fat, remixé avec ses lunettes, là, ouais, c'est lui, mais je crois... Est-ce qu'ils sont... Ils se foutent de sa gueule et ils en ont fait un clodo? J'ai l'impression qu'ils en ont fait un clodo, le pauvre.
So I sneak out to the window and saw some bad wolves drag someone out of the car into the alley. Je sais pas pourquoi j'ai fait plus un accent indien en fait qu'autre chose, mais c'est pas grave. Univers partagé, bon, c'est toujours le même, c'est la Chine. Hein. Enfin, c'est Hong Kong. Donc tu peux rien. The search for the bad wolves. Eden Duck Restaurant. Tung Choi Street. Ok. Alors, je vais reprendre les flingues du coup. Maintenant qu'on a les munitions illimitées, les flingues me plaisent énormément. Hop, vos gueules. Ouh là là, il a failli me niquer là. Il a failli me niquer là. Il a failli m'avoir à l'envers. Ouh, c'est un petit quartier. Oh cool, il y a des petites maisons. Trop mignon. Ah, je suis bloqué. Oula. La porte, elle kiffe pas du tout. Est-ce que tu vois la porte quand tu l'ouvres comme ça? Ce qui est fait? Regarde. Oh là là, t'as l'impression qu'elle est sur le point de péter un plomb. Oh là là. Ouh. Ouais, la porte en fait, elle est pas... Ouais, tu peux... Quand je fais ça, on peut limite voir le code qui a été utilisé pour tenir la porte en place. Ça a été fait sur Unity, hein. Donc je pense que Foxy, tu peux littéralement voir ce qu'il a écrit, là. J'adore ce truc. Ouh, d'accord. Ok, pardon, je touche pas à la porte, c'est bon, oh là là. Putain, ça a pas d'humour, les Chinois. Hein. Jack, il mange des... Et il mange de la nourriture. C'est sûr, les Chinois mangent de la nourriture, bah évidemment. Comment ils feraient sinon? Ils auraient pas les apports caloriques nécessaires. À faire du kung fu. Non, je déconne. Je voulais reculer le moment du racisme en fait. Je voulais être raciste le plus tard possible. Ok, mange ta race. Impeccable. Ouh, putain, il tire vraiment bien par contre. Il tire vraiment bien. Mec, t'imagines s'il y a un mode FPS pour ce jeu-là? En vrai? Non mais en vrai. Même un mode troisième personne, ça ferait super cool. Ça deviendrait un Max Payne quoi, mais... Je suis sûr que c'est possible, parce que... J'espère juste en fait que les devs se disent pas putain notre jeu il est moche. Viens on le fout en top down. Parce que je pense que ça apporterait pas mal d'avoir des angles de caméra différents. Même tu fais d'autres modes de jeu, tu vois, tu te démerdes, tu bricoles. Hop, t'as dit que ta race. Vas-y, ferme ta bouche. Oh le bordel! Fume-moi un gun. Ça, c'est bon ça. Ah, succès déverrouillé, knock knock. Bah tiens. Un mode à troisième personne, ouais, Stranglehold. Ouais. Ça s'appelle Super Hot. Oh, je vous emmerde. C'est comme Dark Souls. Connard, bah. Bande de bâtards. Je vous emmerde. C'est comme Dark Souls qui fait des roulages. Tu l'as cherché. Mais non, j'apporte des idées d'amélioration. Je cherche rien du tout, moi. Oh, l'autre, il pisse. J'ai failli me faire buter par un mec qui pissait, quand même. C'est un peu le Dark Souls des Hotline Miami, ce jeu. C'est le Demon Souls des Dark Souls de Bloodborne des Hotline Miami. Du Synthwave, le jeu. Vidéo. Allez, 2 days earlier. Je pense qu'on va niquer le boss de cette partie. Ensuite, je laisserai Skad s'exprimer sur Slay the Spire. Je vous conseille de rester pour Slay the Spire parce que c'est génialissime. Ça m'a deux... Putain, hier, quand il a commencé à streamer, c'est pas ça que je voulais prendre. Quand Skad a commencé à streamer, j'étais en train de baver, en fait, devant ce que je voyais, parce que je connaissais pas du tout, en fait, Slay the Spire. Et ça a l'air vraiment sympa. Moi, je m'attendais juste à ce que ce soit un jeu de cartes. Je sais pas pourquoi. Putain, la lumière ici. La lumière me rappelle un artiste chinois qui vit au Japon, un photographe qui s'appelle Wan, je crois. Putain, je me souviens plus de son nom, merde. Car il a un compte Instagram et il fait... Toutes ses photos sont sur ce ton-là, en fait. Il y a des néons et tout. Et c'est vraiment, vraiment super joli ce qu'il fait. J'essaierai de retrouver, je mettrai ça sur le Discord, le gars. Il fait vraiment des super photos. Et je crois qu'il est même suivi par Kojima, d'ailleurs, sur Twitter. Et ouais, ça me rappelle un peu ça. Par contre, il faut vraiment que je prenne un autre flingue parce que... tac. Trop bien ce jeu. Ouais, il déboîte.
Vraiment bien. Ouh là, mais t'es pas là tout à l'heure. Ouh. Blip. Blap. Blap. Ouah. Ouh la vache, c'était très très chaud là. T'as pas que le slow motion à remercier là, t'as aussi Shiva, Gandhi et tous les autres. Hein. Ok, impeccable. C'est marrant aussi à quel point en fait il y a des niveaux qui sont très très linéaires et d'autres qui sont pour le coup beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sandbox. Genre, tiens, allez, une maison et tu te démerdes, tu fais ce que tu veux avec quoi, tu vois. C'est vrai que quand même, maintenant que j'y pense. Ça manque des armes au corps à corps dans un truc comme ça. Imagine, enfin genre la map du resto chinois classique avec des hachoirs, des poissons, des trucs comme ça, ce serait génialissime quoi. C'est vrai que ça manque un petit peu comparé à Hotline Miami. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup aussi dans l'appréciation de Hotline Miami, c'est la diversification de tout, des ennemis, des armes, des lieux, des... Et ça aussi c'est un truc par exemple comparé à Hotline Miami. Dans Hotline Miami 1, je serais capable de reconnaître quasiment toutes les maps du jeu, mais dans Hotline Miami 2, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Tu vois? C'est bizarre, non? Une machette que tu peux lancer, ouais, par exemple. 1h30, j'ai mis 1h30 à piger qu'il y a une vanne dans le titre. T'es sérieux, Raffevi? Bah alors. Allez, go. Challenge. Always bet on red. Hoi San Hotel and Casino. Chang Tong Street. Ah, oh, c'est pas le mec dans Mortal Kombat. C'est pas Liang. Si, ça, Liam Wong. C'est ça, Biridan. Liam Wong, je crois que c'est ça. Sur Instagram. Attends, je vais aller voir vite fait. Je vais aller voir vite fait sur Insta. Ouais, j'ai un téléphone avec Instagram. Ah, oh, bah écoute, je suis assez moderne comme mec. Je me trouve assez sympathique aussi. Rechercher Liam Wong. Et pas Wont. Voilà, c'est ça, Liam Wong, ouais. Et ouais, il fait vraiment des trucs génialissimes, quoi. On peut pas dire génialissime, c'est complètement con. Mais du coup, allez voir ce qu'il fait sur Instagram surtout. Sur Twitter, je sais pas trop s'il poste plus, mais il fait vraiment des trucs sympas, ouais. Par exemple, tu peux pas achever les mecs au sol ici et faire une exécution super stylée, ouais. C'est vrai. Tu sais ce que me rappelle ce jeu maintenant que j'y pense? Celui-là, là... comment? The Hong Kong Massacre. Il me rappelle Hatred. C'est le même jeu, en fait, que Hatred. Sauf que là, il y a quelques mouvements en plus, mais c'est complètement Hatred, en fait. Vous voulez que je vous le stream un jour, Hatred? Ah, je crois qu'on n'a pas le droit sur Twitch. Je crois qu'il a été interdit sur Twitch, je suis pas sûr. Bougez pas, hein. Je suis là, il faut juste que j'envoie un petit SMS à ma chère petite maman qui s'inquiète. J'écris très lentement. Voilà. Hatred, grand oui. Sauf que Hatred, t'as pas le droit. Bah c'est ça, j'ai l'impression, je crois qu'il est dans la... je crois qu'il est dans la liste des jeux interdits, Hatred. Ouh. Go. Chat. Ouah. J'ai fait une galipette sur un mec mort. C'est le nom de ma sextape. Hop là. C'est la merde. Putain, la vache. Hatred, ils ont enlevé la vue FPS, c'est con. Ah merde. Ruru, il est 21h30, j'espère que tu es déjà sous. Bisous, maman. Non mais en fait j'ai envoyé un SMS tout à l'heure pour savoir si elle allait bien. Et elle m'a répondu oui je vais bien et toi. Et en fait je lui ai pas répondu depuis environ 4 heures parce que mon portable était en rade de batterie. Et je crois qu'elle s'est inquiétée un petit peu. Ah oh, écoute c'est normal, les mamans ça s'inquiète, c'est fait pour ça hein. Bref, nique ta race. Bouah. Ok balcon. Pourquoi on peut passer sur le balcon? Pas me suicider. Oh balcon à balcon. J'ai défoncé le lit. Wagon lit. Hong Kong Massacre, c'est pas comme Hatred parce que les murs. C'est l'explication la plus cool que j'ai jamais entendue. Hong Kong Massacre, c'est pas comme Hatred parce que les murs. On va bourriner. Voilà, faut juste en fait, faut faire juste clic droit, clic gauche.
en boucle. Et je pense que tu peux finir tout le jeu comme ça. Ah, presque. Ah merde, presque. Ok. Oh la 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 la. John Wook. C'est très bon ça. C'est très très bon. Un Breivik simulateur c'est autorisé, mais un bout de nichon c'est ban. Sérieux, il est pas interdit à H-Wed? Ah, c'est chaud quand même hein. Tu fais du gun kata. Grave, le kata des armes. Et franchement, franchement, entre nous, il est bien équilibrium quand même. Non? Vous pouvez dire, on est entre nous, on est entre nous. Franchement, il est pas mal, non? Je l'ai jamais vu. Nanny the fuck, on l'a streamé au moins 3 fois. Franchement, on l'a streamé au moins 3 fois, quoi. Equilibrium, je l'ai trouvé pourri de A à Z, carrément. D'accord. Ok. Donc le mec, le gun kata, c'est non. Christian Bale qui défonce une porte et qui défonce tout le monde à l'intérieur à la John Wick, mais encore pire, non. Qu'est-ce qu'il y a? À un moment, il se fait braquer. Il se fait braquer par un mec avec un fusil de chasse et il a un fusil à pompe avec une poignée à la pompe. Tu vois ce que je veux dire? Donc il le tient en joue comme ça et il tape avec sa main sur le bout du fusil à pompe. Donc le fusil à pompe fait une rotation avec comme pour point central la poignée. Et du coup, il se retrouve à lui le braquer. Et je trouve ça beaucoup trop cool. Et non, c'est avec 2 mecs, je crois, il fait ça en plus. Il fait tac, il retourne le fusil à pompe et il les déboîte. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop cool. Ah merde, putain, je suis en train d'oublier comment marche le jeu en vrai. Voilà, impeccable. On va attendre qu'il reste là. Voilà, impeccable. Je crois qu'il faut pas hésiter à bourriner, j'ai l'impression quand même. Mec, imagine. Ok, on va s'arrêter 2 minutes. Imagine cette map là. Ok, imagine cette map là. Ok, c'est bon, vous imaginez là? Mais... Attends, imagine la map, ok, mais imagine la map là, ok? Là, celle-là. Mais, imagine, hein. Mais on est... À la place du personnage qu'on est là, hein. Imagine, hein. Mais on est... Judge Dredd. Imagine. Franchement. T'imagines là? Parce que moi j'ai... Oh, wow, wow. Oh putain, j'ai buté Breakdance Johnson. Il a fait... C'est pas grave, ça arrive. Go. Toi, Nick Taras. C'est des flics, ça, j'ai l'impression. Ou des détectives privés, une connerie dans le genre. Il te reste plus qu'à faire une version bootleg, Foxy. John Dredd. Il a les cheveux crépus. Allez, voilà, ta gueule. Ouh, oh la vache. Pff, c'est la merde. Ouh, ah, ah, j'ai mangé. Ok. Ha, blip, blap, scap. Voilà, impeccable. Chat. C'est n'importe quoi. Quand tu regardes, en fait, l'animation, quand tu roules, ça n'a aucun sens, la façon dont il tient ses bras. Je sais pas si vous voyez. Essayez de vous... En fait, on se concentre pas sur le personnage depuis tout à l'heure. Mais si tu le regardes... Attends, regardez bien le personnage. Tu vois? Regarde. Regarde, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens, en fait. Regarde. Il fait n'importe quoi, en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on est beaucoup trop concentré sur le jeu, en fait, sur les ennemis. Mais il fait n'importe quoi. Ouais, j'essaie de lire Judge Dredd un jour. J'ai pas lu beaucoup de comics Judge Dredd. Mais c'est vraiment super étrange. En fait, moi, le premier rapport que j'ai eu avec Judge Dredd, ça a été le film de Stallone, forcément. Et ensuite, ça a été Judge Dredd 2013, qui est un excellent film. Et c'est vrai que du coup, je m'attendais pas vraiment à ce que j'ai lu. Mais c'est cool, hein, c'est cool. Mais c'est très étrange, quoi. Très, il y a du surnaturel un peu, il y a du... c'est du futurisme dégueu. Les dessins, faut s'y coller aussi au dessin, faut kiffer, hein. Mais ouais, c'est assez étrange, mais si, c'est pas mal.
Je préfère quand même Lovina, mais... Est-ce que t'as vu que le mec, c'est encore Breakdance Johnson, hein, c'est encore le même. Il a failli bugger. Il a fait un petit bruit. Il manque vraiment du démembrement. Ouais, dans le jeu aussi, il en manque, ouais. Je suis rentré dans la salle en étant en train de tirer sur quelqu'un d'autre. C'était beaucoup trop classe. Ok, ça fait un moment que je suis sur cette map, non? Je me rends pas bien compte. Maintenant que j'ai plus besoin d'aller dans les options. Oh... Bap! Vous avez vu ce qui s'est passé quand même là? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Franchement, j'étais en train de vivre ma meilleure vie là. J'étais en train de faire le coup le plus beau de ma carrière et non. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de murs qui peuvent se faire traverser là. Parce qu'en fait, c'est super classe. C'est super classe. Ah. Bonjour. C'est pas grave. Bonsoir, c'est des pizzas. Bah, et non, en fait, c'est pas des pizzas, c'est de la mort. Ah, et oui. J'ai tué personne. J'ai tué personne et j'étais tellement mal tiré que les ennemis qui étaient derrière la porte se sont même pas dit que j'étais un problème. Tu vois ce que je veux dire? Il fait quoi, lui? Il fait quoi? Je crois que je l'ai tué avec la porte. Va falloir revoir le replay. Mais je crois que je l'ai tué en ouvrant la porte sur sa gueule. Je suis pas sûr. Oh, j'aime bien le Uzi aussi. Putain, il est cool. Enfin, le Mac 10. Il est vraiment sympa. Pas pour les ennemis, mais... Ni pour moi, mais... Ah, merde! Tu vois, en fait, le problème, c'est que je sais pas quand je suis hors de mon animation de dodge. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun indicateur qui me dit, bah, t'as fini ton dodge, tu vois. Et le problème, c'est que comme t'as deux temps dans le jeu, t'as le slow motion et le real time, c'est un peu compliqué de se rendre compte à quel moment où on est, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment on en est de notre dodge. Et j'aime pas. À cause du blur, les devs ont pas le choix, la violence est censurée en Chine. Ah, merde! C'est politique. Depuis tout à l'heure, on pensait que c'était genre cache-misère. Donc, les développeurs sont bien chinois, du coup. Je pensais que c'était un truc chinoisé. Je croyais que c'était de l'appropriation culturelle, tu vois, mais non, en fait. Les histoires devs sont suédois. Ah, bon, bah voilà, donc ta gueule. À force de raconter des trucs comme ça, là. Est-ce que t'as vu que le mec, c'était le gars le plus chanceux du monde, là? Mr Bean, quoi. C'est dingue. Ça va, de où on se rend pas trop compte de la violence. Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait me rejoindre par le balcon? Mon premier. Fuck. Fuck. Moi, j'aimerais bien le passer, celui-là, quand même. Je crois que c'est l'avant-dernier niveau, non? Avant le boss. Nique ta grosse race. Ow! Putain, les ennemis sont vraiment super rapides, hein. Ha! Blip! Blap! Bloop! Je les défonce de plus en plus vite, là. Ha! Mip! Map! Impeccable. Hop! Mip! Map! Et maintenant, vous êtes deux, là. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Blip! Blap! Bloop! Voilà, impeccable. Ça s'enchaîne bien, là. C'est les gars! Vous seriez pas pelé les fesses? Voilà. K47. La K47. Rected. Rected. J'ai cru voir un flash de noir. Non, c'est bon. J'ai cru que ma capture avait pété, mais non, c'est bon. Blip, blap, voilà. Wow. Je suis en train de manger un peu, là. J'aimerais bien finir ce niveau au moins avant de filer le stream à SCAD. Après, on n'est pas aux pièces, hein. On fait un peu ce qu'on veut avec notre timing, mais... Recharge, je t'en supplie. Oh là là, le boulet d'aile. Oh putain, c'est tout. File-moi ça, là. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? C'était le stress. C'est le stress des examens.
qu'est-ce que je me suis mangé? Pourquoi tu pètes? Bah oui, pourquoi pas, oh. Si j'ai envie de lâcher une caisse d'une minute trente, est-ce que seul Dieu peut m'en empêcher? Putain, il a ouvert la porte avec son pied, du coup il m'a niqué. Tu sais ce qui manque en fait à ce jeu? À part donc tout ce qu'on a dit depuis le début, les options de son, les options de machin, le rebind, les bugs, etc. C'est donc des armes au corps à corps qu'on peut lancer, plus d'armes, et de pouvoir donner un coup de pied dans les choses. Déjà des coups au corps à corps aussi avec les mains. Et pouvoir donner des coups de pied genre dans les tables pour les retourner, des trucs comme ça. Parce que je pense que ça pourrait être vraiment super super stylé. C'est YouTube. Nick Taras. Bonsoir. Blip blap. Impeccable. Blip blap. Ok. Ouh, je vais sauter par-dessus. Je vais sauter par-dessus, il n'y a plus aucun respect de la triade. Voilà. Combien ça pèse un paix? Bah ça a pas de poids, papy. Ah bah je me suis chié dessus. Putain, scan. Quel connard. Quel connard ce mec. Ow! Non, mais j'étais en plein dodge! Fuck, par-dessus le troisième nouache. Le nouachi. Comment ça se fait que les Chinois, ils ont le droit d'ouvrir leur magasin le dimanche? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi eux, ils ont le droit et qu'il y a d'autres magasins qui ont pas le droit? Genre, il y a un nouache à côté de chez moi, il ouvre le dimanche, il ouvre les jours fériés, il ouvre pendant les cataclysmes. Pendant les pluies de grêlons de 60 kilos, il ouvre. Il s'en bat les couilles, hein. Dans le film 2012, il serait ouvert, lui. Il s'en fout, lui, hein. Dans le jour d'après aussi, hein. Ils auraient appelé ça le jour d'après. Je comprends pas pourquoi. Du coup, c'est super. Genre, le dimanche, t'as faim. Bon, tu vas chercher des chips à la crevette. Parce que c'est super bon. Et en plus, ils font des chips à la crevette artisanale. Et genre, et ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment, vraiment un chinois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le chinois, entre guillemets, quoi. L'alimentation chinoise. Genre, t'as une nana à l'entrée. Qui est mignonne, chinoise mignonne, et qui, quand t'es en train de payer, se retourne et fait « Non, t'as toi là !» Tu vois ce que je veux dire? Et ça répond de la cuisine, ça gueule en chinois, et regueule en chinois, et en même temps, elle est en train de te payer, de rendre la monnaie sur 60 euros, alors que t'as pris pour 5,96€, tu vois? Franchement, hein, franchement, respect. Respect à tous les Chinois. D'ailleurs, moi, je suis singe, je crois. Singe de dos, il me semble. En signe d'astrologie chinoise. J'aime bien les signes d'astrologie chinois parce qu'ils ont des animaux rigolos. Nous on a de la merde. On a le Capricorne. Oh cool. Cool, un crabe. Bélier. Ouais, Bélier ça va. Lion ça va aussi. Moi je suis taureau donc c'est cool. Mais le reste c'est chiant quoi. Vierge. Oh super. T'es une meuf qui nique pas. Top. Balance. T'es un outil pour peser les boudins. Top délire. Moi je suis coq d'adamantium. Patchwork, dragon de fer. Oh la vache, vénère. Ah bah Scholar of Mims, dragon de fer aussi. Bah ils l'ont. Attends, je suis un vase. Dragon mais je sais pas quoi comme élément. Le dragon aux yeux bleus. Je suis wyvern de tungstène. Roi du bayou, cochon de bois. Ombrageur, cochon de bois. Ah dis donc. Ah c'est marrant, il y a des mecs qui sont qu'on les mêmes. Du coup ça correspond à quoi? C'est juste l'année en fait. L'année correspond à un animal et une matière, quoi. Ouais, c'est juste l'année, ok, d'accord. Et ouais, moi, je suis... Il y a d'autres singes... singes d'eau, ou quoi? Ou singes de terre? Non, je crois que je suis singe de terre. Je sais plus. Je sais plus ce que je suis. Nick, ok, d'accord. 92, meilleure année. FAR. Y'a rien à faire. Il est où le dernier par contre là? J'espère que je vais pas me faire buter genre dans le dos comme une merde parce que... Oh! Voilà! Rat de feu! Waouh! Moi je suis en joint donc j'ai le fer. Je suis rat de feu. Oh la vache, vous aussi! Putain, mais c'est marrant, en fait il y en a plein qui partagent des années, enfin des signes astrologiques. C'est marrant. Tu vois, ça c'est pareil, j'ai beau pas y croire, j'aime beaucoup le principe. J'ai l'impression que ça unit les gens. The dog. I am the dog. Je suis taureau, moi. Je suis taureau, ascendant, Nick Taras. Voilà. Principalement. Est-ce que je peux choisir... C'est cool, je peux choisir le pistol. Donc, du coup, on va pouvoir faire cette mission-là avec des munitions infinies. Et ça peut peut-être être un peu niqué de la tête, en fait. Je regarde, je peux le doser vu que j'ai munitions infinies.
Oh la vache. Oh merde. Le cheese du boss du début de la map. Ah oui, on va essayer. Ah mais là ça va être galère là. Hein. Mec, si on peut vraiment le niquer comme ça, ça peut être vraiment très très drôle. Ah ouais, non, ouais, on peut le niquer comme ça. On peut le niquer comme ça, complètement. Ah par contre, j'ai l'impression que mon flingue a pas assez de portée. Oh non! Oh merde! J'étais pas assez planqué. Oh le con, donc on peut bien niquer. Animal ruru, élément alcool. Je suis ruru d'alcool. Moi je suis Gémeaux, en somme, je suis pas tout seul dans ma tête, tel le grand Pop dans Senseiya. Voilà, là, ça c'est les références que j'ai pas là. Je suis dragon de métal, oh là là. Putain mais la chance, moi je suis singe d'eau, je vais faire quoi contre un dragon de métal? Ouais! On recommence. On va essayer. Putain, il s'appelle Kenneth. Sokwa. On va essayer de le cheese un peu au début. Comme ça, on va arriver avec lui dans la dernière map et il aura plus de vie. Putain, et c'est galère par contre parce que l'arme a pas beaucoup de portée. On va essayer avec le fusil d'assaut. Déjà, je l'ai loupé. En fait, il y a carrément moyen de le cheese, mais de le cheese de vénère en fait. Parce que ils ont un behavior qu'ils ont du mal un peu à s'empêcher, tu vois ce que je veux dire? On va essayer, on va réessayer. Blip, voilà. Blip. Non, ton pas, Michel. Voilà. Hop. Cam. Blip. 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 Attends, il va falloir que je m'occupe du mec qui est en haut. Sinon, il va me poser un souci. Voilà. It's a massacre. Allez, j'ai gagné un succès qui s'appelle It's a massacre. Je crois qu'en fait, même, je pense que c'est pas genre de le cheeser, le niquer comme ça, parce que... maintenant que j'y pense, ça se trouve, c'est la façon juste... Oui. Je crois que c'est juste un aspect de gameplay en fait, et que la fin du niveau à chaque fois te donne une petite salle. Mais ouais, le niquer comme ça en fait, ça doit faire partie du jeu, hein. Vraiment, vraiment. Russian aussi, il est d'éléments d'eau. Mais je crois que je suis singe d'eau en tout cas. Y a personne de 98, bah non, on est majeur quand même. Ah! Encore la même cinématique depuis tout à l'heure. Oh, chapeau boy! Anthony the Boss Tsang. Ok, on a niqué déjà les 4 premiers. Le 3 premiers. Ouh là 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 là. D'accord, donc le boss. Oh, c'est le boss qui a buté ma femme. C'est ce qu'on a vu au début. D'accord, en fait, il a niqué. Il a pas niqué, il a buté ma femme. Russian, c'est un ragondin de type alcoolique. Je suis pas un ragondin quand même. Alors, je suis un très grand ragondin. Je suis un ragondin, tu vois, épique, tu vois. Je suis le ragondin niveau 120. Avec un petit crâne à côté du pseudo, tu vois ce que je veux dire? Enfin, à côté du nom. Bon, bah, c'était cool. Donc, du coup, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si on continuera le jeu. Je pense que je referai peut-être un stream sur Hong Kong Massacre une fois que j'aurai... qu'ils auront rajouté les mises à jour. Ou qu'il y aura un petit peu plus de contenu. En tout cas, je le garde de côté. De toute façon, j'ai d'autres jeux à finir en attendant. Voilà. Donc, les jeux que j'ai à finir là pour les streams, c'est Far Cry 5, Soma, Skate 3, Resident Evil HD et Resident Evil 2 Remake. Donc, ça fait quand même du bordel. En attendant, je vais vous laisser entre les mains expertes de Skadur. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça a convaincu des gens d'acheter The Hong Kong Massacre ici, mon stream, pour savoir quel pourcentage je vais me faire? Pas du tout. C'est pour savoir si ça a marché, enfin si ça vous a plu quoi. Acheter non, d'accord, carrément, super. Attendre oui, d'accord. Peut-être. Peut-être alors. Bon, let's go jouer à Far Cry 5, lol. Non, pas ce soir. Pas ce soir, j'ai la migraine. Non, Far Cry 5 ce sera plus tard. J'ai farmé un petit peu dans Far Cry 5. J'ai trouvé pas mal de guns. Enfin, j'ai acheté pas mal de guns. J'ai la MG42. Et c'est cool. Bref, je vais vous laisser avec ce qui est dur, les gars. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Et restez zeste. Quoi? Restez zeste de citron. Voilà. On se débrouille. Allez, ciao.